Voilà, tout le monde est assis, ça va, tout le monde a une place, formidable. Merci d'être encore aussi nombreux à ce rendez-vous de l'espace des sciences. On n'arrête pas de dire que Karen, on a un public formidable, mais voilà. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, monsieur Le Bihan. Hein, vous m'avez dit, je suis très demandée, je voyage beaucoup. D'ailleurs, vous arrivez de Kyoto, là. Attendez, je vous donne ça parce que c'est mieux avec tout un micro. Vous arrivez de Kyoto, vous allez repartir très, très bientôt, vous voyagez énormément. Donc c'est vraiment un grand, grand plaisir et un grand honneur pour nous de vous recevoir. En fait, moi, ce qui avait attiré mon attention au départ, c'est ce livre que j'ai reçu de chez Odile Jacob, Le cerveau de cristal, ce que nous révèle la neuroimagerie. Avec un nom pareil, Denis Le Bihan, je me suis dit, tiens, ça doit être un Breton. Breton, vous l'êtes. J'ai pu le constater dans ce livre, même si vous n'êtes pas né en Bretagne. Non, je suis désolé, j'en excuse platement. Mais... Non, mais ça va, on vous pardonne. Vous considérez un peu comme Breton? Oui, beaucoup, puisque vous dites que vous êtes têtu comme un Breton dans le livre. Oui, donc j'ai bien compris. Ça, c'est bien, c'est bien. Alors, avant de vous présenter plus avant, je voudrais juste vous donner deux petites informations. Oui, c'est ça. C'est donc l'avant-dernière conférence avant une petite interruption pour les fêtes. Hein. On va prendre un petit peu de vacances. On donne rendez-vous quand même toutes les semaines et vous nous êtes très très fidèles. On va se reposer les uns et les autres, on va se reposer les neurones. De temps en temps, ça fait du bien, non? C'est important. C'est un peu, oui, je crois que c'est indispensable. Vous nous donnerez quelques petits conseils pour savoir comment faire. Alors, la semaine prochaine, on va finir en beauté avec Philippe Lazard aussi, qui est l'ancien directeur général de l'INSERM, qui préside le conseil scientifique de l'espace des sciences de Rennes, le nôtre, et qui est aussi le président de la Société des Amis du Palais de la Découverte à Paris. Et il répondra à cette question, la culture scientifique, technique et industriel. Vous savez que le sigle pour des endroits comme les nôtres qui font de la vulgarisation scientifique, c'est CCSTI, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle. Donc la question est, la culture scientifique, technique et industrielle est-elle une et indivisible? Je peux déjà vous dire qu'il va vous dire non, qu'il va répondre non, mais il va falloir qu'il nous explique pourquoi. Donc voilà, ce sera le sujet de la semaine prochaine, juste avant les fêtes. Et ce sera un mardi un petit peu exceptionnel puisque l'après-midi seront à l'honneur 6 jeunes chercheurs pour la 10e édition du prix Bretagne Jeunes Chercheurs, donc 6 prix, 6 lauréats distingués parmi les 65 candidats qui ont été présentés et reçus. Et donc ils seront là avec nous ferons une courte présentation, ils nous expliqueront un petit peu sur quoi portent leurs recherches. Ils ne savent pas, hein, personne ne sait encore le nom des lauréats, si ce n'est les membres du jury qui le savent évidemment. Ce sera un joli moment à passer avec des scientifiques prometteurs. Vous pourrez les rencontrer parce qu'on ouvre, cette salle sera ouverte à ceux qui désirent assister à cette petite cérémonie qui commencera donc à 17h et qui sera présidée déjà par Philippe Lazard, qui sera le parrain de ce CRU 2013. Voilà. Et puis la deuxième information, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre programme pour janvier à mars est déjà sorti. J'ai oublié. Julie m'a dit tout à l'heure que les réservations pour les conférences de Jean Jouzel et de Hubert Reeves seront ouvertes. Je ne sais plus si c'est samedi prochain ou le samedi d'après. Je crois que c'est samedi prochain. Le 14. Voilà, c'est le 14. Et vous le savez mieux que moi. Vous êtes fort quand même. Vous le savez mieux que moi. Et vous savez, ça ouvre donc le samedi 14 à midi, et il faut faire, c'est ça, hein? Et il faut faire à 14h, et il faut faire très vite, voilà, ça je voulais vous le dire. Hein. Ah, et alors, c'est extraordinaire, le public, et on me dit de vous rappeler que la conférence d'Hubert Reeves a lieu non pas à 20h30 comme d'habitude, mais Hubert nous demande toujours d'avancer l'horaire, et ce sera à 18h30, voilà, mais on aura l'occasion la semaine prochaine, de reparler de tout cela. Alors, donc, nous sommes très, très heureux de vous recevoir, Denis Le Bihan. Et alors là, moi, je suis tout à fait impressionnée par notre conversation de tout à l'heure, parce que je m'aperçois que je suis auprès de quelqu'un qui est ce qu'on appellerait maintenant un surdoué, non?
Pas du tout. Oh, laissez-moi rire. À 12 ans, vous avez commencé à faire de la météo et vous nous direz tout à l'heure que vous continuez toujours et d'une manière extrêmement scientifique et sérieuse. Vous avez fait en parallèle des études de sciences et de médecine. Vous êtes devenu docteur en médecine en 1984. Vous avez obtenu votre doctorat d'université en sciences physiques en 1987. Et déjà en 1985, vous aviez inventé quelque chose de très, très important. Vous pouvez nous dire ? C'est l'IRM de diffusion, c'est ça. Voilà. L'IRM de diffusion, c'est la belle image que l'on voit derrière. Et donc, du coup, ça vous a entraîné très, très vite aux États-Unis, c'est ça ? Voilà, je suis resté 7 ans. Oui. Vous étiez où exactement ? Au National Institute of Health, qui est à côté de Washington. Vous avez aussi été attaché de recherche au ministère de la Recherche et de la Technologie. Vous m'avez dit, oh, ce n'est pas très important. Bon, d'accord, je l'ai dit quand même. Vous avez travaillé dans des services de radiologie d'hôpitaux en France et aux États-Unis aussi. Au CEA, vous y êtes rentré en 1994, je crois. 94, oui. En 1996, vous avez créé l'Institut de neuroimagerie magnétique à très haut champ, qui porte un joli nom, Neurospin. Oui, Neurospin. Voilà. J'en parlerai. D'accord. Donc vous êtes le directeur, vous l'avez créé en 2007, c'est ça, et vous en voilà, êtes toujours le directeur. Vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2003, auteur de nombreux articles scientifiques. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre paru en octobre 2012 chez Odile Jacob, Le cerveau de cristal. Vous avez aussi participé à un autre livre paru chez Odile Jacob avec Sébastien Balibar et Édouard Brézin. Oui, demain la physique. Voilà, oui, voilà, oui, que oui, nous connaissons aussi ici. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors, je voulais dire aussi que vous êtes musicien. Oui, amateur, mais ouais, j'ai pris quelques petits renseignements, vous voyez. Mais finalement, j'en ai trouvé la confirmation dans ce livre. Oui, oui, oui. Parce que vous faites allusion à la musique aussi dans ce livre. Vous êtes pianiste, c'est ça ? Amateur. Non, vous avez même donné des concerts, quand même. Oui, mais je n'en donnerai pas ce soir. D'accord. Ben, il n'y a pas de piano. Ça tombe bien. De toute façon, c'est raté. Photographe aussi, la photographie vous passionne ? Tout le monde fait des photos. Non. Vous avez fait des expositions de photos. Oui, j'en ai fait une à Kyoto en particulier il y a 2 ans. J'ai pu vendre mes œuvres, mes photos, pour les victimes du tsunami. Donc, voilà. C'était quand même intéressant. Oui. Oui, vous êtes quand même un amateur éclairé, comme on dit. Hein, si vous voulez. Et puis donc, vous faites de la météo depuis l'âge de 12 ans. Et puis alors, tout à l'heure, vous nous avez raconté à Michel Cabaret, le directeur de l'Espace des sciences, et à moi, comment vous êtes passionné pour les sciences. La médecine, au départ, c'était vraiment la ça. La médecine, tout à fait, oui, oui. Et toujours, puis comment vous avez découvert la chimie, la physique, la météo, tout ça dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque. Et vous avez appris tout seul ? À peu près, oui, au début, oui, après non. Mais il n'est pas surdoué, hein. Non, pas du tout. Et vous avez pratiquement appris tout ça tout seul, et quand vous êtes arrivé pour faire vos études, vous avez eu une grande difficulté d'ailleurs, parce qu'il fallait faire des choix. Oui, on ne peut pas tout faire. Voilà, donc j'ai hésité entre médecine et physique, et puis finalement, j'ai tellement hésité que j'ai fait les deux. Et je fais toujours les deux, et neurospin, j'en parlerai, donc cet institut de recherche, c'est ça, hein, c'est neuro, le cerveau, spin, la physique. Et ce que je vais expliquer, c'est comment la physique permet de mieux comprendre le cerveau. Voilà. Et la météo, c'est sérieux. C'est sérieux. Ouais, ouais. Donc tous les jours, vous faites vos prévisions Tous les jours, il y a un site web, effectivement. Et vous avez combien de... J'ai à peu près 3000 personnes qui vont dessus, mais c'est sur la région où j'habite. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, la météo, ce n'est pas la météo en soi, c'est les phénomènes qui sont responsables de la formation des nuages, l'eau, la façon dont l'eau participe à la structure des nuages. Je considère que c'est la même chose qui se passe dans notre tête, c'est pour l'eau qui se trouve dans nos neurones. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc il y a des points communs entre la météo et le cerveau. Oui. Alors il y a juste une autre chose dont je voulais parler, juste avant qu'on vous écoute et puis qu'on vous retrouve ensuite pour les questions, bien sûr, tout à l'heure, c'est que vous avez passé votre concours d'internat en 1980. Oui. Et que vous écrivez dans le livre, alors là on apprend plein de choses vraiment dans ce livre, et vous écrivez qu'en 1980 on disait surtout, avant de passer le concours d'internat, surtout vous ne parlez pas de scanner, hein.
Tout à fait, parce qu'il n'y avait pas de scanner en France à l'époque, et qu'on risquait d'être taxé de médecin de science-fiction. ce qui n'empêche pas que, quand la question que j'ai eue, c'était sur le chiasme optique, hein, sur le croisement des nerfs. On avait une heure à écrire sur ce petit croisement de nerfs. Je n'ai pas pu résister, et j'ai dit à la fin que le scanner permettra de mieux voir cette structure-là. Et j'ai eu 19 3 quarts sur 20, ce qui prouve que le jury était un jury de science-fiction, sans doute. C'est probablement. Et puis, vous expliquez aussi dans l'introduction de ce livre que finalement, on s'est vraiment rendu compte de l'intérêt du cerveau. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Si on veut, oui. Très tardivement. Oui. Hein? Tout à fait. Et que... Les Égyptiens, dans leur momie, rejetaient le cerveau. Ils momifiaient tout, et le cerveau, ils le mettaient à la poubelle, parce qu'ils le considéraient comme un simple radiateur. Donc ça a changé depuis. Mais c'est resté. Hein, parce que quand on dit garder son sang-froid, c'est de là que ça vient. Ah, d'accord, garder son sang-froid. Eh bien, nous allons garder notre sang-froid, nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention, puis ensuite, on vous passe à la question, hein, vous allez voir. Très, très bonne soirée à tous, et à tout à l'heure pour les questions. Déjà, je voulais vous remercier pour votre très gentille invitation. Effectivement, je suis impressionné de voir autant de monde. Donc, ça me fait très plaisir, bien entendu. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je suis en Bretagne. J'aime beaucoup la Bretagne. Et de pouvoir parler du cerveau ici, ça me rend tout chose. Voilà. Donc, je vais vous parler du cerveau de cristal pour petit à petit vous donner un petit peu les informations qui sont obtenues aujourd'hui grâce à l'imagerie. Donc, je ne vais pas parler du cerveau, enfin, je vais parler beaucoup du cerveau, bien entendu, mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est mon thème, c'est plutôt comment on explore le cerveau, quelles sont les machines qui permettent de voir le cerveau et qu'est-ce qu'on voit avec ces machines. Alors, on commence par l'histoire. Donc, la radiologie, en fait, a été plus ou moins inventée par ce monsieur, Röntgen, qui, en 1895, a découvert les rayons X et a eu le prix Nobel pour ça en 1901. Par hasard, hein, donc ça c'est la photo qui est très connue de la main de sa femme avec l'alliance, et il s'aperçut donc que certains rayons mystérieux, qu'il a appelés X, traversaient la matière, il y avait une plaque photo, et on a obtenu ces images. Voilà, donc ceci était une révolution, bien entendu, parce que pour la première fois, on pouvait voir l'intérieur du corps, et tout le progrès qu'on a pu voir a consisté à essayer d'améliorer ces choses-là, parce qu'en fait, avec les rayons X, on ne voit pas grand-chose. On voit l'os, surtout. On voit très mal les organes. On voit l'air, on voit la graisse. Et la grande révolution, ça a été le mariage des rayons X avec la physique et l'informatique. C'est ce qu'on appelle donc le scanner à rayons X, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais grâce au scanner à rayons X, on a pu améliorer la sensibilité de ce qu'on pouvait voir sur ces images et faire des images de l'intérieur du corps. Donc, celui qui a inventé le scanner rayons X, c'est Hounsfield. Il a eu le prix Nobel en 1979 pour cela. Donc, en fait, les rayons, au lieu d'avoir ici une plaque photo, une radio, quoi, on a un détecteur extrêmement sensible qui voit 2000 variations de nuances de gris que l'œil ne peut pas voir, et un ordinateur qui va permettre de reconstituer les images. On va donc, parce que ça s'appelle scanner, on va scanner, on va donc faire des images en ayant un faisceau de rayons X qui va tourner autour du patient. Voilà. Donc, même le scanner à rayons X, c'est surtout l'os qu'il voit. On peut voir le cerveau, on peut voir les organes, mais ce qu'il voit surtout, c'est l'os. Donc, la grande révolution, c'est de passer des os secs au tissu humide, c'est-à-dire de voir vraiment les organes eux-mêmes. Et ça, c'est une imagerie par résonance magnétique qui a été inventée par Lauterbourg en 72, donc en même temps que le scanner. Mais ça a pris beaucoup plus de temps pour que l'IRM arrive à l'hôpital que le scanner, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis Mansfield, qui ont eu tous les deux le prix Nobel en 2003. Donc voilà une image d'IRM, on va en voir beaucoup, beaucoup ce soir. Et là, on voit vraiment l'intérieur du cerveau. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 100 ans, on est passé d'une technique... tout ce qui est radiographie, y compris scanner, où ce qui compte, c'est les électrons qui sont dans le calcium, à aujourd'hui l'hydrogène, le proton, l'hydrogène, on va en reparler, c'est-à-dire la molécule d'eau. Donc l'eau, en fait, a fini par pénétrer le monde de la radiologie. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est en fait une histoire d'eau dans le cerveau. Alors, c'est quoi l'IRM? Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà eu un examen par IRM.
Donc, je ne vous demande pas de raconter, mais je vais résumer très rapidement. Donc, en fait, on utilise un aimant qui produit un champ magnétique très, très intense, plusieurs dizaines de milliers de fois le champ magnétique de la Terre. Vous verrez la fin de mon exposé qu'un neurospin est en train de construire les aimants les plus puissants au monde. Et grâce à ça, on va aimanter l'eau. Alors, je parle très simplement. Hein. En fait, pour les puristes, on va aimanter le noyau de l'atome d'hydrogène. Et dans la molécule d'eau qui est H2O, vous avez deux atomes d'hydrogène. Mais retenez simplement qu'on va aimanter, en gros, la molécule d'eau. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'eau, c'est 70% du poids du corps, 80% du cerveau. 9 molécules sur 10 dans le cerveau, c'est de l'eau. Hein. Faut être quand même, bon, se remettre à notre place. On est fait de beaucoup d'eau. Donc, grâce à l'IRM, on va pouvoir faire des images en aimantant ces molécules d'eau. Et avec des ondes radio, les mêmes qu'on utilise pour la radio européenne, RTL, etc., on va donc faire des pichenettes pour changer l'aimantation de ces molécules d'eau. Et en retour, les molécules d'eau vont émettre des ondes radio qu'on va récupérer avec des antennes. À tel point qu'on doit protéger la pièce dans laquelle se trouve l'IRM, parce que sinon, on va recevoir d'abord RTL, européen. Ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Vu le prix de la machine, ça fait cher le poste de radio. Donc, on met une cage de Faraday et on récupère ces ondes. Et avec ces ondes, l'ordinateur nous reconstitue point par point l'aimantation des molécules d'eau. Et vous voyez que cette image-là, ce n'est pas une image d'un cadavre, ce n'est pas une image de dissection, c'est l'image d'un collègue, de son cerveau. On voit la matière blanche, la matière grise, les petits vaisseaux sanguins. Voilà. Donc, en fait, la différence d'aimantation entre la matière blanche et la matière grise est importante. Et c'est pour ça qu'on voit ce contraste. Mais remarquez quand même qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi il y a telle différence. On n'a aucun modèle qui nous explique. C'est la composition chimique de la matière grise et blanche qui font cette différence, mais on ne sait pas l'expliquer. Alors, grâce au progrès technique, aujourd'hui, l'IRM, celle qu'on voit tous les jours à l'hôpital, hein, à Rennes aussi, permet de faire des images extraordinaires. Vous voyez ici, c'est une image des vaisseaux sanguins, donc de l'aorte, qui partent au niveau du cœur, des vaisseaux qui vont monter dans le cerveau. On peut voir ça tourner, on peut voir ça avec une grande précision. Là, je ne sais pas si vous avez déjà dîné ou pas, mais sinon, voilà ce qui se passe en ce moment chez vous. Hein, donc, tous ces organes qui bougent, le cœur qui bat, hein, le sang qui circule, la respiration. Donc, on voit tout ça en temps réel. Et bien sûr, on peut voir le cerveau, tous ces détails. Et c'est ça qu'on va voir au cours de mon exposé. Je voulais simplement vous dire une fois pour toutes, mais ce qu'on en reparlera plus après, ce qu'on voit là, ce sont des images complètement virtuelles et artificielles. C'est l'image que nous donne l'aimantation des molécules d'eau. Si pour une raison quelconque, ces molécules d'eau ne s'aimantaient pas, on aurait un trou sur l'image. L'exemple le plus caricatural que je donne dans mon livre, certaines femmes qui portent du mascara, quand elles ont un examen IRM, elles ont parfois le bout avant du cerveau qui leur manque. Alors, le mascara n'est pas dangereux, non. Mais il contient souvent des pigments qui contiennent du fer. Le fer va changer le champ magnétique à cet endroit, et les molécules d'eau, alors là, elles sont complètement paumées, elles ne voient plus très bien quel champ magnétique existe, et donc il n'y a plus de signal. Voilà. Alors ça fait un trou, ici. Les radiologues le savent, en général, c'est rare qu'ils pensent qu'il manque un bout de cerveau, mais voilà. Donc sachez quand même que ce qu'on voit, tout ce que je vais vous montrer, c'est de l'aimantation de l'eau, hein, c'est tout. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, pour que là je bâtisse mon histoire, c'est que pourquoi c'est tout ça c'est intéressant, parce que le cerveau est organisé par régions. C'est comme la France, il y a des régions, et ça c'est un cerveau donc normal qui fait 1,3 kg, 1,4 kg. C'est un peu plus gros chez l'homme que chez la femme, mais c'est tout ce qu'il faut dire. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelles sont les conséquences. Mais le premier qui a vraiment fait des hypothèses très intéressante et qui, en fait, ont tout changé sur le fonctionnement du cerveau, sur la compréhension, c'est Broca, un chirurgien qui sévissait à l'hôpital de Bicêtre, près de Paris, et qui avait un célèbre malade, le premier, qui s'appelait M. Le Borgne. Et M. Le Borgne avait un surnom, on l'appelait Tant, parce que M. Le Borgne avait un trouble de la parole, une aphasie. Donc on lui disait, monsieur, comment vous appelez-vous? Tant, quelle heure est-il? Tant, enfin, etc. Alors, ce monsieur ne pouvait pas parler et il est rapidement décédé. À l'époque, c'était rapide. Hein. Et Broca a récupéré le cerveau. Et là, il a fait deux hypothèses majeures qui ont vraiment complètement changé les choses. Donc, le cerveau, c'est deux hémisphères, gauche et droite. Il s'est dit, c'est parce que la lésion, que vous voyez, il y a une sorte de trou là, est du côté gauche que M. Le Borgne ne peut pas parler. Faut quand même, c'est osé. Hein, pourquoi? Donc, il s'est dit, voilà, si ça avait été à droite, il n'y aurait pas eu de problème. Et il avait raison. Deuxièmement, il a dit, c'est parce que la lésion est ici,
dans la région frontale, à l'avant du cerveau, qui ça s'appelle aujourd'hui la région de Broca, bien entendu, que ce malade ne peut plus parler. Si la région avait été ailleurs, il n'aurait peut-être pas pu marcher, il serait devenu aveugle, mais voilà. Donc, il a fait deux hypothèses. Le côté gauche est lié au langage, et c'est la position précise de la lésion dans ce cerveau qui est responsable du trouble du langage. Voilà. Alors, pendant plus de 150 ans, on n'avait pas l'imagerie, on a appris le fonctionnement du cerveau comme ça. C'est-à-dire, les malades avaient un trouble, bah, lui, il ne peut plus calculer, celui-là, il ne peut plus, etc. On dit c'est quel cerveau, parce que les gens mouraient quand même assez souvent. Parce que chez les volontaires, ça ne marchait pas très bien. Mais donc, on récupérait le cerveau et on essayait de corréler. Hein, c'est comme ça qu'on a appris. Voilà, telle maladie, tel trouble fonctionnel, telle localisation. Et on a appris beaucoup, beaucoup de choses comme ça, jusqu'au jour où l'imagerie est arrivée. Et l'imagerie nous a permis de faire des progrès, mais nous a appris aussi que souvent, on se trompait pas mal. Alors, le scanner à rayons X, ça a été surtout utilisé d'abord pour les malades, hein, plus que pour faire de la science. Quand vous avez une tumeur dans le cerveau, voilà des images aujourd'hui que l'on peut obtenir en scanner, puis en IRM, c'est bien sûr capital de pouvoir faire le diagnostic du vivant du malade, pas une fois qu'on a le cerveau en autopsie. Donc aujourd'hui, ces examens d'imagerie sont utilisés pour voir précisément les lésions, comme ici une tumeur. Mais ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est le cerveau normal. Et l'intérêt de l'IRM, c'est que comme il n'y a pas de rayons X, eh bien on peut passer des gens normaux sans risque, et on peut en passer beaucoup et comprendre le fonctionnement et l'anatomie du cerveau. Alors je vais commencer par l'anatomie. Voilà. Donc, si vous avez compris ce que j'ai essayé d'expliquer, tout l'intérêt, c'est de ce couplage entre fonction et localisation. Donc, l'imagerie est extrêmement importante, puisque c'est un moyen, c'est une sorte de cartographie, de voir les régions du cerveau et, comme on sait plus ou moins à quoi elles servent, de voir la corrélation entre la localisation et la fonction. Alors, on va commencer par l'anatomie. Tout ça pour vous dire que le cerveau est extrêmement plastique. Voilà, par exemple, un cerveau standard. On a tous à peu près la même forme de cerveau. Il y a le lobe frontal, le lobe temporal, il y a des sillons, etc. Mais ici, on a mis ensemble 150 cerveaux. Et ce que vous voyez, c'est que, par exemple, ce grand sillon ici, qui sépare le lobe frontal du lobe pariétal, ben, il est très variable. Il y a plus d'un centimètre de variation d'un sujet à l'autre. Voilà, donc la forme globale est la même chez tout le monde, mais les détails sont différents. Et ces détails... Certains viennent du fait que notre cerveau s'est formé pendant la grossesse, mais c'est surtout aussi qu'on en fait ce que l'on veut de notre cerveau. Premier exemple, les chauffeurs de taxi londoniens, qui sont très connus parce qu'ils sont excellents. Ils ont passé 2 ans dans le brouillard et dans le froid en vélo à reconnaître les rues de Londres, enfin avant le GPS, hein, maintenant je ne sais pas. Et donc ils sont très bons. Et des collègues ont montré que si vous reprenez une toute petite région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, on la reverra tout à l'heure, elle est impliquée dans la mémoire. C'est une sorte de GPS interne, si vous voulez. Eh bien, l'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens est plus grosse que dans la population normale. Voilà. Si vous prenez le londonien typique, il a une hippocampe plus petite. Même le chauffeur de bus, il a toujours la même ligne, donc il n'a pas enregistré beaucoup de choses. Donc, vous voyez, c'est le fait de devenir chauffeur de taxi fait qu'une petite région du cerveau va devenir un peu plus grosse. Ça, c'est le pianiste. Ce n'est pas moi, mais bon, c'est juste pour montrer que ce qu'on fait ici... Alors ça, ce n'est pas énorme, hein, ce n'est pas la bosse des maths, vous sentez rien du tout. Mais si on regarde avec un ordinateur... exactement le volume de la matière grise, on va en reparler aussi, eh bien, on s'aperçoit que la matière grise est un peu plus développée chez le pianiste dans les régions qui permettent aux deux mains de travailler ensemble, et puis dans les régions auditives, etc. Donc, le pianiste a un cerveau qui est différent du non-pianiste et même du violoniste ou du trompettiste. Mais ça va vite. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des jeunes étudiants d'apprendre à jongler pendant quelques minutes tous les jours, pendant plusieurs semaines. Et ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'un mois, je ne sais plus exactement, eh bien, certaines régions se sont développées dans le cerveau, et ce sont des régions qui servent à voir le mouvement dans l'espace, donc, parce que quand vous jonglez, il faut voir les balles. Voilà, donc ça va très très vite, pardon, je reviens en arrière, ça va très très vite, en permanence, le cerveau se modifie, c'est la plasticité cérébrale, donc je suis sincèrement désolé, mais après cette conférence... votre cerveau aura été un peu modifié, le mien aussi d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça. Donc si vous prenez des vrais jumeaux, ils ont les mêmes gènes, mais ils seront légèrement différents.
parce que justement chacun a son histoire. Voilà, c'est très important, vous voyez, la responsabilité des enseignants, hein, parce que c'est eux qui, finalement, ils ont de la pâte à modeler entre les mains, quoi, le cerveau de leurs enfants, là, de leurs élèves. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Alors, grâce à l'IRM qui n'a pas de radiation ionisante, on peut faire des images très tôt dans la vie, et des images de fœtus. Vous voyez, celui-là, il suce son pouce. Alors, on peut voir des images extraordinaires, et surtout du cerveau. On peut, par exemple, voir comment le cerveau se construit. Vous voyez, ici, c'est un cerveau à 24 semaines de grossesse. Il est tout petit, il est tout plat, tout lisse. 27 semaines de grossesse, il est déjà beaucoup plus plissé. Ici, c'est à 32 semaines de grossesse. Pour ceux qui ne savent pas, une grossesse, c'est 39 semaines. Voilà. Donc, vous voyez, petit à petit, le cerveau va se plisser. Et le petit humain a cette particularité que quand il va naître, son cerveau n'est pas fini. Il va lui falloir encore 18-20 ans avant de se terminer. Coup de chance, parce que si la grossesse durait 18-20 ans, je ne vous dis pas. Donc le cerveau naît avant que l'enfant naît avant que son cerveau soit mature. Mais c'est justement pour souligner que le cerveau va se développer grâce à l'interaction avec l'environnement. Voilà. Alors que pour d'autres animaux, ils naissent avec un cerveau qui est souvent déjà mature. Alors, grâce à nos images, on peut vraiment regarder comment le cerveau se développe. Et aujourd'hui, on sait très peu de choses encore. Tiens, pourquoi ça ne marche pas ? Ça, c'est pas grave. Je suis désolé, c'est en anglais, mais je vous le dis en français. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, au départ, c'est un espèce de tube, un tuyau d'arrosage, si vous voulez, avec un liquide. Et les neurones vont être produits à la périphérie, à une très grande cadence, puisque on estime que, vu le nombre de neurones que l'on a à la naissance, c'est-à-dire 100 milliards de neurones, il y a 250 000 neurones qui sont produits par minute. Vous voyez la cadence de production des neurones. Et ces neurones, ils ne peuvent pas tous rester au niveau du tube central. Donc, ils vont aller migrer à la périphérie, sur ce qu'on appelle le cortex cérébral. Donc, c'est une petite surface qui fait entre 2 et 4 mm d'épaisseur. Et c'est pour ça que le cerveau va se plisser. C'est exactement comme les côtes bretonnes. Hein. Donc, vous avez un grand plissement, ce qui fait que vous avez une grande surface de plage. Donc, vous avez également une grande surface pour caser ces neurones. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces neurones qui partent du centre, selon l'endroit où ils vont se retrouver, ils vont avoir un rôle différent. Certains vont devenir des neurones de la vision, d'autres des neurones du langage. Etc. Pourquoi ? Comment ? On n'en sait rien. C'est comme si vous disiez, voilà, moi je viens de Rennes, je m'installe sur la plage de Saint-Malo, je m'installe sur la plage de je ne sais pas où, à Lorient. Selon l'endroit où vous allez atterrir, vous ne serez pas exactement identique. Pourquoi, comment ? C'est un mystère, et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Et grâce à l'IRM, on peut faire des images extrêmement précises, par exemple de fœtus ou d'embryons de souris. Une souris, l'intérêt, c'est que la grossesse de souris, c'est que 21 jours. Voilà, là, un embryon de souris à 13 jours et demi, et on peut voir beaucoup de détails à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est l'anatomie. Vous voyez qu'on commence petit à petit à comprendre comment le cerveau est fabriqué et quelle est sa forme. Maintenant, il faut le voir fonctionner. Et c'est aussi un grand miracle de l'IRM, c'est qu'on peut le voir au travail. On peut voir ce qui se passe dans votre tête quand vous m'écoutez. On ne va pas le faire. Mais bon, parce qu'il n'y a pas d'IRM ici. Pendant longtemps, même encore aujourd'hui, les neurochirurgiens, pendant leur intervention chirurgicale, réveillent parfois les patients. Ça fait pas mal. Hein. L'intérieur du cerveau n'est pas sensible. C'est le centre pour la sensibilité, si vous voulez, mais lui-même n'est pas sensible. Donc, là, c'est un peu une caricature. Donc, on appuie sur l'endroit du cerveau, puis vous avez la jambe qui bouge. Mais c'est pas très, très loin de ça. C'est important parce que c'est un moyen précis que l'on a pour savoir où on est dans le cerveau, hein, puisqu'à quelques millimètres près, on n'est pas forcément au même endroit. Donc, parfois, les neurochirurgiens font ça. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est opéré au bloc opératoire. Donc, on a beaucoup appris du cerveau comme ça, mais ce n'est pas très pratique. Donc, on sait que, je vous l'ai dit, fonction et structure sont reliées. Donc, la deuxième grande révolution, après le fait de pouvoir faire des images du cerveau, c'était de faire des images du fonctionnement du cerveau. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de l'anatomie du cerveau, avec la matière grise, la matière blanche, c'est grâce à l'ordinateur de montrer en couleur les régions du cerveau qui sont en train de travailler. Voilà. Alors, comment je vais vous expliquer maintenant comment ça, c'est possible. Donc, je reprends mon décor, j'ai un aimant, j'aimante les molécules d'eau, j'ai des images extraordinaires. Très bien. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire appel à une découverte qui a été faite par hasard, mais qui repose sur un principe qui est vieux, vous voyez, qui date de 1890. Il avait été observé que dans les régions
qui sont en train de s'activer, il y a plus de sang qui arrive. C'est ce qu'on appelle le couplage neurovasculaire, mais peu importe. Voilà, donc voilà la surface du cerveau. Alors, si cette région-là s'active, il y a un peu plus de sang qui va arriver. Pourquoi ? On ne sait toujours pas vraiment. Est-ce que c'est pour apporter plus d'oxygène, plus de sucre ? Ce n'est pas très clair. Bien, mais quand même, on sait qu'il y a ce phénomène qui existe en général. Donc, quand vous allez regarder une image, l'image arrive au fond de vos yeux, avec les nerfs optiques, elle va se retrouver sur un petit relais, qu'on appelle le corps joué latéral, arriver à l'arrière de votre cerveau, ce sont les aires primaires, visuelles, c'est-à-dire qui projettent le monde comme une plaque photo, si vous voulez, et puis de là, la formation va repartir vers l'avant, et vous allez pouvoir reconnaître des choses. Donc, c'est ça qu'on voudrait voir. Alors, c'est possible grâce à une méthode qu'un collègue japonais qui s'appelle Seiji Ogawa a inventée. Vous savez que le sang est rouge. Et vous savez pourquoi il est rouge ? Parce qu'il y a des globules rouges. Bon, maintenant, pourquoi les globules rouges sont rouges ? Parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine. Voilà. Et l'hémoglobine, coup de chance, c'est un miracle, contient un atome de fer. Voilà. Donc, c'est fer, aimant, vous comprenez qu'il va se passer quelque chose. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hémoglobine, son rôle, c'est de porter l'oxygène des poumons vers les organes, et en particulier le cerveau. Et selon que l'hémoglobine porte ou non l'oxygène, l'atome de fer, il est exposé ou pas au champ magnétique, si vous voulez, je simplifie bien entendu. Et ce qu'il faut considérer, c'est que les globules rouges, en fait, ce sont des petits aimants qui vont circuler en permanence, hein, ils s'aimantent dans le champ magnétique à cause de l'hémoglobine des globules rouges. Voilà, donc, je prends une petite région cérébrale, il y a des petits vaisseaux sanguins, il y a les molécules d'eau qui sont autour, qui sont aimantées, très bien, et puis vous avez des globules rouges qui passent ici, qui vont changer l'aimantation. Donc les molécules d'eau, elles n'aiment pas trop ça, qu'est-ce qui se passe là, on change mon aimantation. Donc les ondes radio qu'elles vont vous envoyer, elles vont changer un tout petit peu, alors c'est tout petit, mais un ordinateur va le détecter. Voilà, donc pour résumer, quand vous utilisez votre cerveau, c'est-à-dire en permanence, dans les régions qui sont actives, il y a une augmentation du débit sanguin, il y a plus de sang qui arrive, et cette augmentation de débit sanguin va changer l'aimantation des molécules d'eau qui sont à côté, et l'ordinateur va vous montrer ça avec des images en couleur. Donc voilà M. Ogawa, voilà la technique qu'il a inventée, alors ça s'appelle en anglais « blood oxygen level dependent », ça veut dire donc que ça dépend du niveau d'oxygène du sang. Alors, voilà par exemple une coupe du cerveau, l'avant, l'arrière, la droite et la gauche. C'est à l'envers. Et c'est ce qui se passe dans votre tête quand vous regardez l'écran. Donc, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, deux petites taches ici, rouges, c'est les corps genouillés latéraux. Et tout ce gros, ces grosses patates ici, c'est toutes les aires visuelles qui sont activées parce que vous regardez l'écran. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Il y a quelqu'un qui est dans l'aimant, dans le noir. Bon, on fait une image. Et puis, on lui présente des images. Et on refait la même imagerie. On récupère des images. Et on regarde là où l'aimantation des molécules d'eau a changé. Là où elle a changé, enfin c'est tout petit encore une fois, c'est des traitements statistiques par ordinateur, des logiciels. Là où l'aimantation a changé, ça veut dire que le débit sanguin a augmenté. Donc ça veut dire que le cerveau, en dessous, il a fait quelque chose. Voilà, voilà le principe. Donc vous voyez, c'est quand même assez grossier. Il faut faire deux images, une dans une condition et une autre dans une autre condition. Voilà, voilà aujourd'hui ce qu'on sait faire et vous allez voir que ça permet d'aller très 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 loin. Première question, l'imagerie mentale. Vous fermez vos yeux. Vous imaginez un chat. Alors déjà, il n'y en a pas deux dans la salle qui sont identiques dans les chats, là. Mais vous pouvez voir un chat. Donc la question que je me suis posée il y a 20 ans maintenant, c'est de savoir, mais où est le chat dans notre tête ? Est-ce que par hasard, de voir un chat réel et de voir un chat imaginaire, ça passe par le même endroit du cerveau ? Donc j'ai fait l'expérience. Donc les volontaires sont dans l'aimant, puis je leur dis, en anglais parce que c'était aux États-Unis, chat, mais ça marche en français aussi, hein, chat, au bout de 8 secondes, stop, un petit bip, stop, on ne pense plus au chat. Puis après, je leur pose une question discrète, est-ce que le chat avait les oreilles pointues ? Ce n'est pas est-ce que le chat a quatre pattes, hein, c'est est-ce que le chat a les oreilles pointues ? Donc il faut aller refouiller son image mentale. Et voilà ce qu'on observe. Donc ça, c'est l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau. Ici, c'est la fameuse région du cortex visuel primaire, c'est-à-dire qui sait avoir le monde réel. Et ce que l'on voit, c'est quand vous, dans le noir, les yeux fermés, vous imaginez un chat, eh bien, vous changez l'aimantation des molécules d'eau qui sont à cet endroit. Vous voyez, c'est la puissance du mental sur la matière, finalement, hein, puisque vous changez par la pensée l'aimantation des molécules d'eau. Bon,
j'exagère un petit peu, mais c'est quand même ça qui se passe. Je ne dirai plus après. Ce qui compte, c'est que nous, sur nos images, on voit que le fait que d'avoir pensé à l'image d'un chat montre qu'il y a un changement d'alimentation de l'eau dans les régions visuelles primaires. Donc ça veut dire que le débit sanguin local a augmenté. Donc ça veut dire que les neurones qui sont là ont été activés. Voilà. Donc quand vous voyez un vrai chat ou quand vous en voyez un dans votre tête, ça passe par la même région du cerveau. Voilà. Alors maintenant, il faut interpréter tout ça. Pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand... Là, on a regardé l'alimentation de l'eau ici. Quand vous imaginez le chat, il y a une petite réponse. Quand vous regardez mentalement les oreilles pointues, vous avez une réponse qui est encore plus grande. Et j'ai un collègue japonais qui est allé encore plus loin. Lui, il a dit, bah oui, bah alors les aveugles de naissance, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur cerveau ? Donc, il leur a dit, voilà, vous allez lire du braille, comme ils ont l'habitude de faire avec leurs doigts. Et, surprise, quand ces gens lisent du braille, ils activent les gyres visuelles primaires. Donc, ils voient avec leurs doigts. C'est extraordinaire, quand même. Alors, l'interprétation qui a été donnée à l'époque, c'est qu'en fait, le cerveau, il y a une région qui ne sert à rien, autant qu'elle serve à quelque chose, pourquoi pas lire du braille ? Moi, ça ne me va pas très bien comme explication. Je pense qu'il se passe quelque chose à cet endroit dans le cerveau, qu'on ne sait pas bien encore aujourd'hui, qui sert à tout cela. C'est ce que j'appelle du liage. C'est-à-dire, donc, pour reconnaître des oreilles pointues, il faut voir un triangle, enfin, il faut relier des points dans l'espace. Pour qu'un aveugle lise du braille avec ses doigts, par exemple la lettre F, etc., donc c'est un pattern, un motif de points, et c'est la position des points dans l'espace qui code pour la lettre. D'ailleurs, cette expérience a été faite plus récemment chez des voyants à qui on a fait apprendre le braille. Ils activent leurs aires visuelles quand ils voient et quand ils lisent le braille. Donc, ce n'est pas que la nature a utilisé les aires visuelles parce qu'elles ne servaient à rien. Voilà, donc moi, ma théorie, c'est que dans cet endroit du cerveau, il y a un petit logiciel. J'ai horreur de parler de l'ordinateur pour le cerveau, mais bon, c'est pour expliquer. Donc, un petit logiciel qui relie ensemble des points dans l'espace. Ça sert à voir, ça sert à l'imagerie mentale et ça sert au braille. Mais on va aller plus loin maintenant. Ce que l'on sait, c'est que ce cortex visuel primaire, c'est vraiment comme dans votre appareil photo, à savoir ce que vous voyez est projeté directement. Ce qui est en haut va en bas, ce qui est à gauche va à droite. Simplement, c'est très déformé. Ce qui est au centre, c'est très hypertrophié, c'est parce qu'on lit. Et par contre, ce qui est en périphérie, c'est un petit peu ratatiné. Donc j'ai fait l'expérience suivante. J'ai essayé de voir maintenant ce qui se passait plus en détail. Est-ce qu'on peut lire ce qui se passe sur nos images ? Donc, j'ai pris des volontaires à qui j'aurais dit, voilà, un objet horizontal, vertical, un objet horizontal. Donc, selon que la personne voit un objet vertical ou un objet horizontal, eh bien, le motif sur la surface du cerveau n'est pas le même. Vous voyez, quand on voit un objet horizontal, on va activer les neurones qui sont dans cet endroit-là, à l'arrière du cerveau. Et quand on voit un objet vertical, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est même pas du tout la même chose. Et ensuite, j'ai dit au sujet, voilà, vous imaginez que vous avez un objet horizontal ou vertical. Vous ne me dites pas, fermez les yeux, vous imaginez. Et ce que je peux voir, c'est que je peux lire, finalement, la pensée de ces gens-là. Là, cette personne-là est en train d'imaginer un stylo horizontal, et là, il est en train d'imaginer un stylo vertical. Voilà, et 90% de succès. Donc, on peut deviner ce que la personne est en train de penser. Alors, on n'a pas la marque du stylo, on n'a pas l'encre. Hein. Pas encore. On y travaille, mais pas encore. Voilà. Mais un de mes collègues, Bertrand Thirion, maintenant avec nous, a été plus loin. Donc, on a demandé à des volontaires d'imaginer des lettres, L, M, H, etc. Et on a pu entraîner un ordinateur à décoder. C'est ce qu'il voyait. Et on peut lire. Donc, la personne peut penser H, donc H, E. On voit que c'est un E, etc. Hello. Donc, la personne peut communiquer comme ça. On peut lire donc, ce que la personne est en train d'imaginer grâce à l'IRM fonctionnel. Donc, vous voyez que ça commence à aller très loin. Là, c'est une personne au Japon qui joue à ce jeu, vous savez, ciseaux, pierre, papier, hein, dont on bouge les doigts. Donc, il est en train de bouger les doigts. Pendant ce temps-là, son cerveau, forcément, les régions motrices qui commandent la motricité sont activées. Il y a un ordinateur qui analyse tout ça, et les signaux sont envoyés à des kilomètres de distance sur une main artificielle donc pour piloter des moteurs de robot, du petit robot. Donc la main est en train de faire les mêmes gestes que la personne qui est ici, à distance. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que maintenant cette personne-là, comme vous avez compris que penser et imaginer, c'est la même chose, bouge plus, pense, voilà, je pense, la main comme ça, je pense. Et simplement le fait de penser va faire articuler la main
qui est à distance. Et Toyota a mis en place, c'est commercialisé, une chaise pour handicapés pilotée par la pensée. Alors, il n'y a pas une IRM sur la chaise, hein, ce serait un peu lourd. Une fois qu'on sait que ça marche, on met un casque d'EEG, hein, d'électroencéphalographie, et donc la personne, sur sa chaise, pense, avance, recule, gauche-droite, en japonais, mais peu importe, la chaise obéit. Voilà, stop, la chaise s'arrête. Donc c'est très spectaculaire, on en est là aujourd'hui. On en est à décoder ce qui se passe dans notre cerveau de façon de plus en plus précise. Là, c'est encore plus impressionnant, parce que c'est une femme de 26 ans qui est dans un état de coma végétatif après un accident de voiture. Donc, vous savez ce que c'est, un coma, c'est végétatif, donc la personne, aucune réaction, vous la pincez, etc. Les médecins ont tous les trucs pour essayer de réveiller les gens, rien, donc aucune réaction. Madame, comment vous appelez-vous? Rien. Alors, ils se sont dit, tiens, on va la mettre en IRM pour voir. Ils l'ont mise dans l'aimant, et là, grosse surprise, quand ils disent à cette dame, comment vous appelez-vous? Alors, rien qui se passe, mais les images nous montrent que la fameuse région de Broca qu'on a vue tout à l'heure s'allume, s'active. Donc la personne a compris qu'on lui demandait comment elle s'appelait, mais en plus elle était en train de répondre dans sa tête. Là, dans le coup, ils ont même été plus loin, ils se sont dit, bon, pouvez-vous imaginer que vous jouez au tennis? Non, la dame, non, comment, elle ne fait pas grand-chose. En IRM, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres régions qui vont s'allumer. Cette région-là, ce qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire, qui est la même que quelqu'un qui va être activé chez quelqu'un qui imagine vraiment qu'il joue au tennis. Et puis là, madame, pouvez-vous imaginer que vous vous promenez dans votre maison, que vous explorez votre maison? Vous voyez, à nouveau, d'autres régions cérébrales qui s'activent, les mêmes que chez quelqu'un qui est en train de faire la même chose. Voilà, donc cette personne-là, en fait, elle comprenait tout ce qu'on lui disait et elle essayait de répondre. Alors cette expérience-là a fait beaucoup de bruit, hein, ça a été publié en 2006, vous voyez, et depuis ça a été répliqué. Aujourd'hui, environ 20% des gens dans un état de coma végétatif sont comme ça, c'est-à-dire finalement comprennent ce qu'on leur dit. Voilà. Simplement, ils ne peuvent pas communiquer. Alors, grâce à l'IRM, maintenant, on peut aller plus loin. Par exemple, on peut communiquer. Je crois qu'il y a une patiente qui est en train d'écrire un livre comme ça, dans le coma végétatif. Ce n'est pas tous les comas non plus, hein. Donc, par exemple, vous voyez, si vous dites à cette personne-là, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez répondre oui, vous imaginez que vous jouez au tennis. Si vous voulez répondre non, vous imaginez que vous vous prenez à votre maison. Donc, on a la réponse oui ou non. Il suffit d'aller sur les images. Et grâce à l'informatique, ça peut aller très très vite. C'est un peu comme, vous savez, le film que vous avez peut-être vu, le scaphandre et le papillon, où vous avez quelqu'un qui a un locked-in syndrome, c'est pas la même chose, hein, où il ne peut communiquer par la paupière. Donc il y a l'infirmière qui lui dit A, B, C, D, E, puis quand c'est la bonne lettre, il bouge la paupière. Mais il y a au moins un signe extérieur. Là, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. La communication se fait par l'IRM. Voilà, donc pour vous dire jusqu'où on va aujourd'hui avec ces techniques. Alors, le cerveau, en fait, il faut voir que c'est un peu comme, parfois, je n'aime pas la comparaison avec l'ordinateur, mais c'est un peu ça, Microsoft, les logiciels, c'est buggé, hein. Et bien voilà, ça c'est votre cerveau, vous devriez normalement voir des points noirs, hein, et plus vous essayez de les voir, et plus ils disparaissent, d'accord? En fait, il n'y a aucun point noir du tout, les points noirs, c'est purement le résultat de votre imagination, et de la mienne aussi, rassurez-vous, voilà. Donc, il y a plein de bugs. Deuxième exemple, c'est très connu. Soit vous voyez un vase, soit vous voyez deux visages. Et vous ne voyez pas les deux en même temps. D'accord? Qu'est-ce qui vous fait choisir? Est-ce que c'est vous? Ce n'est pas votre voisin? Non, mais vous allez voir que ce n'est peut-être pas vous non plus. On a fait l'expérience en IRM fonctionnel. Donc on présente pendant un très court instant, vous voyez, 150 millièmes de seconde, la figure ambiguë. Et puis on demande à la personne d'appuyer sur un bouton, soit à gauche, si elle a vu un vase, soit à droite, si elle a vu deux visages. Bon. Et puis, sur notre ordinateur, on va regarder en particulier la région spécifique, hein, parce que vous comprenez qu'il y a des régions pour tout maintenant, hein. Il y a des régions pour donner des conférences, peut-être, j'en sais rien. Et donc, il y a une région qui est spécialisée dans la détection des visages. Voilà donc le changement d'aimantation de l'eau dans la région qui sert à voir les visages. Zéro, c'est le moment où apparaît le stimulus. Ce que l'on voit, c'est que, c'est la courbe rouge, au temps zéro, dans ce cas particulier-là, le cerveau était déjà activé. Vous ne savez pas. Votre cerveau était déjà activé dans la région qui sert à voir les visages. Et là, vous voyez un visage. Si, au moment où on présente cette figure-là,
la région n'est pas activée, vous voyez un vase. Donc en fait, il faut voir que le cerveau est en permanence, sans vous le sachiez, hein, c'est l'inconscient, dans un état qui fluctue, quantique, etc. Et selon l'état dans lequel il se trouve, au moment où vous voyez le stimulus, vous croyez décider de voir ci ou ça. Mais en fait, c'est déjà décidé bien avant. Et c'est 2 secondes avant. Hein. 2 secondes avant le stimulus. Voilà, selon l'état dans lequel se trouve votre cerveau, dans cette région précise, 2 secondes avant qu'on vous présente le stimulus, vous fera choisir un visage, 2 visages ou un vase. Pire encore, ici, c'est le libre arbitre. On fait défiler des lettres sur un écran. K, T, D. Et on dit à la personne, quand vous voulez, vous appuyez sur un bouton, quand vous voyez une lettre que vous aimez, là, vous la gardez en mémoire, vous choisissez. Bien. Et on regarde ce qui se passe dans son cerveau. Alors, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est les régions motrices qui servent à appuyer sur les boutons gauche-droite. 0, c'est au moment où la personne appuie. Donc, ce qu'on voit, c'est que la réponse dans la région motrice, elle se fait au moment où la personne appuie. Jusque-là, ce n'est pas très étonnant. Mais si on regarde à l'avant du cerveau, dans cette région ici, on s'aperçoit que la réponse a commencé 10 secondes plus tôt. 10 secondes. Ici, à l'arrière du cerveau, c'est 4-5 secondes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, de façon inconsciente, à un moment donné, il a dit « Oh, il va falloir appuyer sur le bouton, vous ne savez pas, vous. » Et puis, l'ordre est parti. Il a été mis en forme à l'arrière du cerveau, « Oh là là, il va falloir préparer les muscles, il va falloir appuyer sur un bouton. » Voilà. Donc tout ça, de façon inconsciente. Puis à un moment donné, toute cette information-là arrive au niveau du cortex moteur, et là, vous dites « Tiens, j'ai envie d'appuyer sur le bouton. » Et vous appuyez sur le bouton. Donc vous croyez que vous avez décidé, rien du tout, c'était décidé 10 secondes avant. Voilà. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention à son propre cerveau. Notre cerveau et nous, enfin, nous, conscients, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, je voulais juste vous illustrer jusqu'où on en est aujourd'hui. Je pourrais en parler pendant 10 jours. Hein. Il y a beaucoup d'autres exemples dans mon livre. Mais voilà ce que permet de faire aujourd'hui l'IRM fonctionnel. Bon, j'accélère parce que sinon, on va y passer la nuit. Je passe dans un autre domaine maintenant qui est encore plus le mien, qui est l'imagerie de diffusion. Là aussi, je vois que j'ai laissé de l'anglais, je suis désolé. Voilà. Bon, la diffusion, sur le plan macroscopique, vous savez ce que c'est. Si vous mettez du vin rouge dans de l'eau, et j'ai expliqué qu'ici, quand je fais mes conférences à l'étranger, que ce n'est pas bien de faire ça, il ne faut pas faire ça à la maison. Mais donc, si vous mettez du vin rouge dans de l'eau, c'est bien séparé, et au bout d'un certain temps, ça se mélange. C'est le principe de diffusion. Voilà. Si vous buvez trop le vin, voilà ce qui se passe, vous marchez de travers. Et Einstein a été le premier, c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien, ce mouvement de marche aléatoire, a expliqué que le mouvement de diffusion, ce mélange-là, était lié au mouvement de diffusion, de mouvement brownien des molécules d'eau. Donc, en clair, c'est simplement que toutes les molécules, toutes les petites particules, sont animées d'une sorte de danse de Saint-Guy, de petits mouvements liés à leur agitation thermique, qui sont les ondes d'énergie, quoi. Et Einstein, dans sa thèse de physique en 1905, donc il a fait sa thèse en 1905, il a publié un article sur l'effet photoélectrique pour lequel il a le prix Nobel, il a publié E égale MC2, voilà, tout ça en la même année. Hein. Il était pas mal hein, comme étudiant. Et donc, ce qu'il a montré, c'est que le poivreau ici, là, donc plus on lui donne de temps, plus il va aller loin, mais en moyenne, il reste toujours près du réverbère. Hein. C'est ça que ça montre. Mais voilà, mais il explore des distances de plus en plus grandes. Donc, on peut passer, vous voyez, du monde microscopique, des molécules, au monde macroscopique. C'est toujours l'IRM. Ça, c'est moi quand j'avais des cheveux, donc il y a un bout de temps. Et à l'époque, je posais la question que tout le monde se pose. Voilà un malade, il a une lésion ici. Qu'est-ce que c'est? Alors, le rêve du médecin, c'est d'aller mettre une aiguille. Voilà, de retirer un petit bout, ça s'appelle une biopsie, de regarder sous le microscope et de voir ce que c'est. Dans le cerveau, c'est pas facile quand même, donc on peut pas faire. Alors on a cette image-là, clairement, ça va pas, hein, si vous n'êtes pas médecin, vous aimeriez pas avoir ça dans la tête, et on voudrait savoir ce qui se passe au niveau microscopique. Et mon idée, j'ai copié sur Einstein, hein, je me suis dit, voilà, les molécules d'eau, elles vont se balader dans le tissu, donc si elles voient des obstacles, les membranes, des cellules, des neurones, des fibres, etc., leur mouvement va être perturbé. Donc si je suis capable de mesurer ce mouvement comme le vin dans l'eau, je vais pouvoir en déduire quelque chose. C'était ça mon idée de départ, et ça a marché de façon incroyablement bien, puisque bon, j'ai copié Einstein, simplement un coup de chance. Si on prend le coefficient de diffusion de l'eau dans le cerveau, la température du cerveau, il se trouve que la distance explorée par les molécules d'eau est de l'ordre de quelques microns, donc exactement ce qu'il faut. Donc là, c'est un coup de chance. Voilà, et donc j'ai inventé ça en 85,
Je vous passe sur les détails, sur la manière dont c'est obtenu, parce que ça nous entraînerait trop loin. Ça, c'est le vieux grimoire où j'ai tout écrit. Et donc, voilà des images d'IRM où on a de plus en plus mis cet effet de diffusion. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien, c'est justement là que ça devient extrêmement intéressant. Ça sert à plein de choses aujourd'hui. Je vais vous donner brièvement des exemples. Dans le diagnostic des AVC, la connexion intracérébrale, le cancer et l'imagerie de la fonction du cerveau. Commençons par l'AVC. L'AVC, c'est une catastrophe, vous le savez, hein, puisque 30% des patients... Pourquoi il y a du français et de l'anglais, je comprends. C'est mon cerveau qui doit de temps en temps être buggé aussi. Donc voilà, troisième cause de décès, première cause de handicap à long terme. Une fois vous avez un AVC qui vous bouche une artère cérébrale, donc les neurones vont mourir, ils ne récupéreront pas. Donc vous avez quelqu'un qui va être aphasique à vie ou qui sera paralysé à vie. Donc imaginez l'impact, enfin, vous le savez, économique, social, humain, c'est considérable. Voilà, donc le patient de tout à l'heure, en fait, il a un AVC. C'est-à-dire que l'artère qui est ici est bouchée par un caillot sanguin et les neurones qui sont là sont en train de mourir. 2 millions de neurones par minute sont perdus. Donc c'est vraiment urgent. Bon, voilà, l'AVC, avant, on ne faisait rien, parce que bon, bah, voilà, on fait son AVC, bah, c'est comme ça, c'est pas de chance. Il se trouve qu'en 1990, un collègue américain, en utilisant l'IRM de diffusion que j'avais inventé 5 ans avant, a, chez le chat, provoqué un AVC, et s'est aperçu que la diffusion de l'eau ralentissait. Et de façon très importante. Vous voyez, sur cette tache blanche ici, ça veut dire que le mouvement brownien de l'eau, hein, le mouvement physique, ralentit dans la région où il y a un infarctus. Donc ceci a été confirmé chez l'homme, c'est très clair. Et aujourd'hui, c'est la technique de référence. Donc si, je le dis parce que c'est vraiment c'est la santé publique, hein, je disais ça il y a 10 ans, et puis j'ai l'impression de parler dans le désert. Hein. Les choses ont beaucoup évolué en France, Dieu merci, et à Rennes en particulier, mais pas qu'à Rennes, bien entendu. Si vous avez, vous ou votre entourage, des signes d'AVC, à savoir, vous n'arrivez plus à parler, vous avez un côté du corps qui commence à être engourdi, très très mal à la tête, ou des troubles visuels un peu bizarres, vous appelez le 15. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit c'est pas ça du tout, et rien ne se passera, soit vous êtes en train de faire un AVC, et c'est 2 millions de neurones par minute qui sont perdus. Hein. Donc c'est urgentissime. Il faut se précipiter, pas vous, le SAMU, à l'hôpital. Et là, on va faire une IRM de diffusion. Et on va voir ces images-là. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on dispose d'un traitement aujourd'hui. C'est-à-dire donc qu'on va vous injecter, alors j'appelle ça du desktop, mais ce n'est pas du desktop du tout, rassurez-vous. C'est une molécule qui débouche, ça s'appelle un thrombolytique. Donc, on vous injecte cette molécule-là, pas à tout le monde. Il ne faut pas l'injecter à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire ces images-là. Et vous dissolvez le caillot. Je l'ai vu, c'est extraordinaire. Vous avez une personne qui arrive, qui est hémiplégique, la moitié du corps paralysé. Vous injectez la molécule. En une minute, plus rien. Plus rien du tout. Faites rien, cette personne-là va rester hémiplégique pendant toute sa vie. Voilà. Donc, vous voyez la différence. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ces médicaments-là, quand ils ont été développés, ils n'ont pas été utilisés chez l'homme parce qu'on ne savait pas trop que faire le diagnostic. Donc le fait que j'ai inventé cette méthode d'imagerie dans les années 85, hein, 90, et en même temps, les fabricants de médicaments aux États-Unis ont eu besoin de tester. Donc c'est arrivé en même temps, et c'est pour ça que ça a marché. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est ce qui se passe, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est que les cellules gonflent. Quand elles sont en train de mourir, les neurones gonflent, ça empêche les molécules d'eau de diffuser, et c'est pour ça qu'on a ce ralentissement. Et j'ai eu l'honneur de recevoir l'année dernière au Japon le prix de la fondation Honda. Donc c'est la même compagnie que celle qui fait des motos et des voitures et des tondeuses à gazon, mais ce n'est pas pour ça que j'ai eu le prix, c'est pour l'AVC, parce qu'ils ont un prix, ils ont une fondation, quoi, voilà. Philanthrope. Bien, donc vous voyez l'importance. Alors aujourd'hui, c'est utilisé aussi dans le cancer, donc je vais aller vite parce que ça, pour tout ça, ça prend du temps. Mais ce qu'on a montré, c'est que dans les régions où il y a des cancers ou des métastases, les cellules prolifèrent, ça change aussi la diffusion, et ça se voit très bien sur nos images, vous voyez, avec beaucoup de détails. Et au Japon, là, à Kyoto, où je travaille aussi, on est en train de montrer que pour le cancer du sein, on peut faire un diagnostic extrêmement précis. Donc le problème aujourd'hui du cancer du sein,
c'est qu'on vous diagnostique un peu trop vite des choses qui ne vont pas. Bon, les femmes ont un examen par mammographie, ce qui est très bien, hein, mais dès que c'est un peu anormal, oulala, hop, on vous enlève un sein comme ça sans que vous ayez le temps de vous en apercevoir. En gros, j'exagère un peu, mais c'est quand même ça. C'est dramatique. Aujourd'hui, on est trop agressif. Donc si vous avez une méthode pour vous dire, oui, il y a bien une lésion, mais ce n'est pas un cancer, on ne touche pas, on attend, on surveille, ça change quand même les choses. Donc c'est ça qu'on essaye de faire grâce à l'imagerie de diffusion. Et c'est en train de marcher vraiment très très bien. Voilà, donc un cancer du sein, ici, et ces images nous montrent en rouge, vous voyez, on est en train de faire ça maintenant de façon automatique, hein, l'ordinateur nous dit tout de suite, c'est cancer, c'est pas cancer, tac, et grâce au mouvement de diffusion de l'eau. L'autre grande découverte, c'est ce qu'on appelle l'anisotropie de diffusion. Alors, c'est un peu pompeux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous ai pas encore vraiment expliqué le cerveau dans le détail, mais on ne va pas le faire. Vous savez qu'il y a la matière grise qui est autour, comme les plages bretonnes, et puis entre, vous avez les routes, les autoroutes. Alors, c'est vrai qu'en Bretagne, ce n'est pas encore très bien développé, mais dans le cerveau, c'est très, très développé. Donc, c'est la matière blanche. La matière blanche, ce sont des câbles, comme ça, qui relient les différentes régions cérébrales entre elles. Eh bien, ce qui a été montré, c'est que l'eau qui diffuse dans le sens des fibres va plus vite que l'eau qui diffuse dans le sens perpendiculaire. Ça se comprend assez bien. En général, on va plus vite dans le sens des autoroutes que dans le sens perpendiculaire. C'est à peu près la même idée. Et donc, vous voyez, ça date de 91. Hein, tout ça pour vous dire que les idées, quand vous les avez, il faut 10 à 15 ans, elles vont qu'elles soient utilisées en routine par tout le monde. Parce qu'il faut convaincre les gens. Bon, c'est compliqué. Donc, à l'époque, je me suis dit, bah, tiens, il suffit de mesurer la diffusion dans plusieurs directions. Là où ça va le plus vite, c'est qu'on est dans le sens des fibres. Donc pour chaque point du cerveau, je fais ça, et j'obtenais des images rudimentaires, mais enfin c'est les premières images au monde utilisant cette technique. Donc c'est l'imagerie de diffusion, mais c'est une variante un peu plus subtile qu'on appelle l'imagerie du tenseur de diffusion. Voilà, et j'ai inventé ça, vous voyez, avec mon collègue Peter Basser au NIH, on a breveté tout ça. Voilà. Et depuis, donc ça a explosé. Après, nos collègues qui sont du côté informatique, ils sont fait des logiciels qui permettent point par point de relier la direction de ces fibres. Vous voyez ici, c'est le cortex qui sert à bouger, et donc de faire des images qui vont nous montrer le prolongement de ces fibres. 98. Aujourd'hui, pourquoi elle est en double? Il y a des trucs bizarres. Bon, voilà. Aujourd'hui, voilà ce qu'on en fait. Donc des images du câblage intracérébral. On est capable maintenant de voir qu'en fait, dans notre cerveau, on a des hubs. Hein, donc ce que vous trouvez sur les planisphères pour les avions, hein, donc des aéroports où tous les avions convergent, de là ils repartent ailleurs. Donc le cerveau est câblé comme ça, et voilà les images que l'on a. Les États-Unis ont mis 30 millions de dollars pour faire un atlas des connexions intracérébrales. Nous, on n'a eu que 2 millions d'euros, c'est plus les euros, mais quand même 2 millions en Europe pour faire la même chose, mais on est allé beaucoup plus vite puisque... Voilà, déjà, on a 80 sujets qui ont été scannés par Cyril Poupon, en particulier à Neurospin. Et vous voyez ces images qui sont extraordinaires du câblage intracérébral. Donc voilà, voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui grâce à cette technique. On sait voir vraiment en détail. Ça prend 15 minutes. Hein. Vous rentrez dans l'aimant, vous ne faites rien. Vous n'avez même besoin de penser, là, rien du tout. On vous fait ces images qui vous montrent tout votre câblage. Voilà. Et ça, c'est les gens du MIT. Sur des singes, ils ont une précision encore plus grande. Voilà. Bon, j'en suis quand même très fier parce que bon, l'idée, je l'ai eue en 92, il faut beaucoup de temps, mais aujourd'hui, voilà ce que ça permet de faire, et surtout à quoi c'est utile. C'est joli, hein, c'est sûr, ça peut faire une belle tapisserie dans votre chambre, mais c'est pas ça le but. C'est voir à quoi ça peut servir. Par exemple, les schizophrènes. Schizophrènes, quand vous faites la lésion du cerveau, c'est à peu près normal. Hein. Pourtant, ils sont pas bien ces gens-là. Ils entendent des voix. 95% entendent des voix. Vous regardez ce qui se passe dans leur région auditive, ils entendent bien des voix. Ils entendent bien des voix. Alors, c'est nous qui les entendons pas, vous allez me dire. Non, nous aussi, on entend des voix. Quand vous lisez un livre, vous parlez en permanence. Donc, c'est normal qu'on entende des voix, mais vous savez que c'est vous. Vous n'êtes pas en train de dire, oh là là, il y a quelqu'un qui est en train de me parler à distance. Donc, ce qui est en train de se profiler, alors, ce qui est très compliqué, la schizophrénie, mais chez certains patients, c'est qu'en fait, il y a des anomalies de connexion intracérébrale entre le lobe frontal et le lobe temporal. Donc l'information, elle ne passe pas très bien. Si vous vous rappelez ce que je dis tout à l'heure, vous avez une information qui naît et 10 secondes après seulement, vous avez conscience qu'elle est arrivée. Si les connexions sont mauvaises, c'est encore peut-être plus que 10 secondes. Donc le cerveau vous émet un signal, puis un certain temps plus tard, elle arrive dans les régions auditives, parce qu'elle est retardée,
mais vous ne savez plus que c'est vous qui l'avez envoyé, cette information. C'est un peu comme si vous regardez un film à la télé et que ou au cinéma, et que l'image et le son sont décalés. Au bout d'un certain temps, vous n'êtes pas bien. Ben, il se pourrait que chez les schizophrènes, ce soit comme ça 24 heures sur 24. Chez certains, pas chez tous. Voilà un exemple. Deuxième chose, les bébés. On étudie beaucoup les bébés de 2 à 4 mois, par exemple, parce qu'à cet âge-là, ils ne bougent pas encore. Donc, sans les anesthésier, ils dorment tranquilles. Donc, on peut faire des choses. Et comme vous le savez sans doute, à 2 à 4 mois, les bébés ne sont pas censés parler, sauf qu'ils sont vraiment très, très précoces. Et pourtant, ce que l'on voit, c'est que le câblage intracérébral du côté gauche est déjà plus développé qu'à droite. Autrement dit, le bébé, il est déjà préprogrammé pour utiliser son cerveau pour le langage. Là, c'est les dyslexiques. On s'est aperçu que les dyslexiques, ici, on a le degré de capacité à lire. Eh bien, le câblage dans les régions qui servent à lire, il est très perturbé, d'autant plus que les gens ont du mal à lire. Quand ces gens sont réhabilités, sont rééduqués, donc ils font des progrès, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le câblage fait des progrès aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est en plus plastique, ce câblage. Voilà. Ça, c'est les pianistes, mais j'en parlerai pas. C'est un peu mon dada, mais bon. Selon le nombre d'heures que vous placez à travailler votre piano, eh bien, vous changez la matière blanche. On voit le câblage se change. Donc, quand vous travaillez avant 11 ans, en 3000 heures de piano, vous arrivez à changer ces régions-là. À l'adolescence, il faut 6000 heures pour changer d'autres régions. Quand vous êtes à l'âge adulte, il faut 45000 heures pour arriver à changer quelque chose. Autrement dit, tout ça, ça montre qu'il vaut mieux apprendre le piano jeune. Voilà. Donc maintenant, on a la preuve. Vous pouvez commencer tard, hein, mais ce n'est pas impossible. Mais c'est quand même mieux qu'on commence tôt. Voilà. Bon, le temps passe. Je vais peut-être pas trop continuer parce que je sais que vous êtes fatigué. J'y vais ? Non ? Vous m'aviez dit pas dépasser. Bon. Alors, bon, ça, je vais aller rapidement quand même parce que c'est un peu compliqué. Donc, si vous ne saisissez pas tout ici, c'est pas grave. Mais je vais vous expliquer que, bon, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, c'est pas faux. On détecte l'activation cérébrale par le mouvement des globules rouges. Mais pourquoi je ne suis pas tout à fait satisfait de ça, même si mon ami Ogawa, c'est vraiment un ami, c'est que ce n'est pas très précis. J'explique souvent, c'est que vous avez un quartier avec des maisons, il y en a une qui brûle, et aujourd'hui, pour voir la maison qui brûle, vous n'avez pas d'autre moyen que de voir les pompiers qui arrivent, qui ouvrent la bouche à incendie. Hein, c'est-à-dire que l'augmentation des débits sanguins, c'est ça. Donc vous voyez que d'abord, que les pompiers n'arrivent pas tout de suite, il y a du retard, et c'est ce qu'on voit très bien. Voyez, ici, on a stimulé visuellement le cerveau, et la réponse que l'on voit en IRM, elle est plus forte après qu'on ait fini de stimuler le cerveau. Donc, voilà. Donc c'est les pompiers qui arrivent un peu après la bagarre. Et puis il y a des cas où les pompiers ne viennent pas. Hein, ça arrive, malheureusement. Eh bien c'est pareil pour le cerveau. On sait très bien que chez certains patients en particulier, il n'y a pas d'augmentation de débit sanguin. Et pourtant le cerveau travaille normalement. Alors c'est très dangereux parce que si vous faites des images, vous ne voyez rien, pas d'augmentation de débit sanguin. Pourtant le cerveau travaille normalement, donc il ne faut pas le retirer si vous avez une tumeur ou quelque chose. Voilà, donc je ne suis pas complètement satisfait. Et avec mon ami Ogawa au Japon, on discute très souvent. Et là, j'ai introduit une nouvelle méthode, complètement nouvelle, donc qui un peu provocatrice, je dirais, mais qui est encore basée sur la diffusion. Donc, pour aller très vite, ce que j'ai découvert, c'est que quand le cerveau est activé, donc ça, c'est la réponse classique, BOLD, hein, c'est-à-dire l'augmentation de débit sanguin qui arrive trop tard, eh bien, si je mesure le mouvement brownien des molécules d'eau dans le cerveau, eh bien, quand la région s'active, quand une région est activée, l'eau ralentit. Un peu comme dans l'AVC, bien sûr, mais le niveau est beaucoup plus petit. Et ce qui est génial, surtout, c'est que, vous voyez, ça ralentit tout de suite quand on présente le stimulus, et ça s'arrête tout de suite quand on arrête le stimulus. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est la preuve que c'est quelque chose de nouveau. On voit quelque chose qui se passe directement au niveau des neurones. J'ai publié ça en 2005. Je vous ai dit qu'il faut encore 10 ans, il faut 10 à 15 ans avant que les idées, etc. Donc on est en 2013, donc ce n'est pas encore accepté par tout le monde. J'ai beaucoup de mal, certains y croient, mais beaucoup de mal à ce que certains qui sont très très conservateurs disent « Oh là là, c'est pas possible ben, !» Voilà, ben, c'est possible, la preuve c'est que ça marche. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'il y a des changements dans la structure du tissu. Donc en fait, l'idée que j'ai, c'est qu'on a des neurones gonfleurs. Les neurones gonflent, et c'est le fait qu'ils gonflent pendant qu'ils sont activés, et c'est ça qui est responsable de ce changement de diffusion.
Voilà, donc c'est ce que j'appelle le couplage neuromécanique. Donc c'est très avant-garde tout ça, mais je voulais vous en parler pour vous dire que une grande partie de mes recherches, c'est l'eau dans le cerveau. On parlait de la météo tout à l'heure, mais ce n'est pas une boutade. Le cerveau, c'est 80% de l'eau, et vous voyez que je ne suis pas le premier à avoir pensé que la molécule d'eau avait quelque chose d'important. Alors la molécule d'eau, c'est H2O, quand elle est toute seule. En fait, la molécule d'eau, maintenant, on sait que ce n'est plus H2O, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça pourrait être H3O2, hein, par exemple. Alors, vous voyez, ça s'appelle un sushi. Comment savoir si un sushi est frais ou pas? Ça peut vous sauver la vie aussi, ça. Vous prenez vos baguettes, vous appuyez dessus. Et ce qui se passe, c'est que si le sushi n'est pas trop vieux, vous avez des molécules d'eau qui vont sortir. Mais d'où elles viennent, ces molécules d'eau? Le poisson, il entend qu'il n'est plus dans l'eau. Hein. Donc, en fait, c'est parce que les molécules d'eau, elles sont attachées aux protéines. Elles sont attirées par les charges des protéines, elles sont bloquées. Les forces sont considérables. Donc, l'hypothèse que j'ai faite, c'est qu'autour des membranes des cellules, qui sont un peu comme les protéines, vous avez de l'eau lente, de l'eau qui est accrochée, là, qui ne bouge pas tellement. Et dans tous ces changements de diffusion que je vous ai expliqué depuis le début, donc l'AVC, l'activation cérébrale, en fait, c'est parce que les molécules d'eau, ça, c'est une simulation, c'est la membrane cellulaire, hein, c'est quelque chose de très, très, très petit. Là, toutes les molécules d'eau qui arrivent à proximité, elles ralentissent près de la membrane, et c'est pour ça qu'on a l'impression que la diffusion de l'eau ralentit. On ne change pas la diffusion de l'eau avec l'AVC, on ne change pas la diffusion de l'eau avec la pensée. Simplement, on change l'équilibre entre l'eau qui diffuse pas vite et l'eau qui diffuse vite. C'est une question d'équilibre. Voilà, donc dans l'AVC, on sait maintenant, je ne suis pas idiot, hein, les neurones, ça s'est vu, les neurones, ils gonflent. Voilà, ils gonflent vraiment. Et c'est ça qui est responsable du fait qu'il y a plus d'eau lente, et c'est pour ça que la diffusion diminue. Voilà, donc j'arrive un petit peu à la fin de mon exposé maintenant pour vous montrer les grandes visions, mais je ne pourrai pas tout vous montrer aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, je reviendrai. Donc aujourd'hui, on en est là. On est en train de faire des cartes, je dirais, grossières du fonctionnement cérébral avec une précision de l'ordre du millimètre. Voilà, c'est joli ce que je vous ai montré, mais je sais, c'est comme pour les étudiants ou les élèves, on dit « peut faire mieux ». Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Inversement, il y a plein de gens qui publient sur les synapses, les molécules, etc., mais ils n'ont pas plus compris le cerveau que nous. Donc, logiquement, je pense que la vérité, elle est entre les deux. On a, je vous l'ai dit, on a 100 millions de milliards de neurones à la naissance. Chacun est peut-être connecté à 1000 ou 10 000 neurones. À la naissance, ils sont connectés qu'à 500 neurones en moyenne, mais après l'adolescence, quand enfin on devient adulte, c'est 1000 à 10 000 connexions par neurone. Je ne sais pas si vous voyez la connectique. Donc ça dépasse de loin ce qui est possible par les gènes. Donc tout ça pour dire qu'en fait, les gènes expliquent en gros qu'on a un cerveau, mais ce n'est pas eux qui vont vous dire comment vous jouez du piano. Les gènes vont dire y a peut-être une région du cerveau, une plage particulière des côtes de Bretagne qui est bien pour le langage. Voilà. Mais après, ce qui va s'y passer, est-ce que c'est de l'anglais, du chinois ou de l'arabe? Ça, c'est l'environnement qui va le dire, ce n'est pas les gènes. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de comprendre ce qu'il y a entre les deux. Et l'hypothèse que je fais, qui est aussi extrêmement osée, c'est de dire qu'il y a un code neural comme il y a un code génétique. Le code génétique, c'est quoi? C'est l'ADN, donc c'est des molécules, et c'est leur arrangement à trois dimensions dans l'espace qui code l'information. Donc l'idée que j'ai, c'est que, vous voyez, donc, on est au stade où on sait qu'il y a des chromosomes, c'est la résolution que l'on a. Quand les chromosomes ont été connus, on a su qu'ils étaient liés à l'hérédité. L'ADN, on savait ce que c'était aussi. Mais il a fallu quand même que quelqu'un invente le code génétique avec la structure en double hélice. Donc mon idée, c'est que, mais je ne suis pas le seul à l'avoir maintenant, hein, même si ça fait quand même un bout de temps que je l'ai, que c'est la position des neurones entre eux dans le cerveau qui change d'un endroit à l'autre du cerveau. Hein, selon l'endroit où vous trouvez, les neurones ne sont pas du tout organisés de la même manière, qui code pour la fonction que j'appelle le code neural. Voilà. Donc chaque petit bout de cerveau, il code pour une fonction bien particulière. Et quand c'est grâce aux connexions que je vous ai montrées, quand on va relier tous ces petits éléments entre eux, on fait apparaître une fonction plus compliquée. Vous pouvez extraire de tête une racine carrée ou des choses comme ça, ou utiliser votre téléphone portable. Ce n'est pas dans les gènes, hein, un téléphone portable. Hein, vous donnez un petit gamin de 3 ans ou 4 ans un téléphone portable, il l'utilise tout de suite. Hein. La grand-mère a plus de mal. Donc voilà, ce n'est pas dans les gènes, c'est bien l'environnement. Voilà, cette idée-là, c'est ça qui m'a servi à fonder Neurospin en 2001. Ça a été repris maintenant au Japon par le Riken. C'est pas repris, c'est,
c'est le directeur du RIKEN a la même vision. Et Obama, avec le projet qu'il a lancé en 2013, c'est exactement la même chose. Donc il y a la grande course là maintenant pour essayer de comprendre le code neural avec l'enjeu, bien sûr, de toutes les maladies. Voilà, donc c'est ça qu'on essaye de faire à Neurospin. Et pour ça, bon, je vais aller très vite, on veut monter en champ magnétique. Plus le champ magnétique est intense, plus les images seront précises. Donc aujourd'hui, les images que l'on obtient, elles sont en fait avec des imants qui sont entre 1,5 Tesla et 3 Tesla, en langage clair. Ça veut dire 30 000 fois le champ magnétique ou 60 000 fois le champ magnétique terrestre qui fait tourner les boussoles. Donc à Rennes, vous avez des machines à 3 Tesla. Dans le monde, aujourd'hui, on a un certain nombre de machines qui opèrent à 140 000 fois le champ terrestre. Il y en a une quarantaine, en fait. Il n'y en a qu'une en France, elle est à Neurospin. Et vous avez 4 machines dans le monde qui opèrent à 9,4 Tesla, donc pas loin de 200 000 fois le champ terrestre. Plus le champ va être élevé, plus vous allez avoir de précision dans vos images. Vous voyez, on peut voir vraiment des structures extrêmement précises au niveau du cerveau. Voilà, le problème, c'est ça. C'est que plus vous montez en champ, et ce n'est pas linéaire, hein, c'est plus, ça monte comme ça, donc ça coûte de plus en plus cher. Alors l'idée que j'ai eue, c'est de dire, voilà, il nous faut des instruments, comme le microscope, la lunette de Galilée. Une fois qu'on a les instruments, on peut découvrir des choses nouvelles. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut aussi des modèles, des théories, des ordinateurs. Et puis tout ça, ça n'a d'intérêt que si on colle à la réalité. Donc on veut étudier les animaux, parce qu'on peut manipuler plus les gènes ou le cerveau, les primates, l'homme, etc. Donc c'est ça l'idée qui m'a poussé à mélanger, donc à marier physique et neurosciences, donc neurophysique, neurospin. Et je me suis inspiré des grands instruments. Donc par exemple, le CERN à Genève, vous savez, c'est là qu'a été découvert le boson de Higgs. Ben, voilà, on a fait un grand, grand laboratoire pour découvrir le boson de Higgs. Et il se trouve qu'au CERN, il y a 400 aimants comme ça qui servent à canaliser les particules. Donc 400 aimants qui ont été réalisés par les physiciens et les ingénieurs du CEA. Donc je suis allé les voir, je frappais à leur porte. Je dis, voilà, moi j'aimerais bien avoir un aimant pour étudier le cerveau. Au début, ils étaient, qu'est-ce que cette histoire ? Et puis finalement, ils sont piqués au jeu. Donc nous, on est en train de construire à Neurospin un aimant de 11,7 Tesla, 223 000 fois le champ terrestre, qui sera le premier au monde. Et on a déjà un aimant de 17 Tesla, 340 000 fois le champ terrestre, et pour la souris. Voilà. Donc Neurospin, c'est ça, c'est très beau, hein. Ce sont des arches, chacune contient un aimant. L'architecte, c'est Claude Vasconi, malheureusement, il est décédé. C'est un génie, hein. Il a vraiment compris tout à fait ce qu'on voulait faire. Ça, c'est la construction de Neurospin, c'est pas la future gare de TGV, non, c'est vraiment Neurospin. Et voilà, donc c'est très très beau. Alors, il y a des gens qui, au début, ils ne croyaient pas. Finalement, bon, ben, ça s'est fait. Vous voyez, donc, on est à 20 km, 25 km de Paris à Vol d'Oiseau. Alors, il y a tellement de champ magnétique que la tour Eiffel commence tout doucement à pencher. Bon, ça ne se voit pas trop pour l'instant. On est très discret. Et voilà le fameux aimant qui sera installé dans à peu près un an, un Neurospin. Bon, c'est une merveille. Hein. Donc, c'est fait par les physiciens et les ingénieurs du CEA. Un aimant monstrueux. Hein. Il va faire 5 mètres de diamètre. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il est refroidi à moins 271 degrés, c'est pour que le matériel qui s'appelle niobium titane puisse conduire des courants importants. Il pèse 132 tonnes. Il y a donc, où c'est marqué, 65 tonnes de fil. C'est un fil spécial, que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc le fil, c'est du niobium titane, donc, qui est supraconducteur, qui conduit l'électricité sans résistance, qui vient du Japon, qui aux États-Unis ensuite est fabriqué selon nos critères précis. Donc ça fait 9 mm et ça en fait 4. Donc ceci ensuite, ce fil-là, il est bobiné à Alstom, à Belfort, avec une précision de 25 microns. Je ne sais pas si vous voyez. Donc des galettes comme ça, il y en a 168 qui sont mises les unes derrière les autres. Quand l'aimant va être mis en champ magnétique, donc c'est un champ considérable, les forces vont atteindre 8000 tonnes à l'intérieur. Il n'y a rien de bougé. Voilà. Donc c'est un gros, gros projet. L'hélium liquide, vous savez, ça devient de plus en plus rare. Donc là, l'aimant qui sera installé à Neurospin. On a déjà installé en dessous de Neurospin une salle pour produire de l'hélium liquide nous-mêmes en permanence, hein, parce que l'aimant doit être alimenté en permanence en hélium liquide. Voilà, donc c'est un beau projet. Quand j'ai commencé ce projet en 2001, on m'a dit, mais il est complètement fou, c'est pas possible. Donc mes collègues américains, un peu jaloux, mais ils ont dit, bon, c'est pas possible parce qu'on est les Français, blablabla. Aujourd'hui, donc ils savent très bien qu'on est en train de le faire. Alors je dis, vous voyez, je suis pas si fou que ça.
Il dit, mais si, mais c'était fou. Le problème, c'est que t'es contagieux, parce qu'il y a d'autres endroits maintenant dans le monde où ils sont en train de faire la même chose, en Corée, au Japon, aux États-Unis. Voilà, donc je suis devenu contagieux, mais j'espère que c'est pour la bonne cause. Avec ça, on espère, donc là, d'Eurospin, avec tous les locaux que l'on a, on espère pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et surtout de mieux comprendre les maladies pour pouvoir les soigner. Voilà, j'arrête là, parce que j'ai déjà largement dépassé mon temps. Merci. 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 Bon, j'ai quelques témoins ici. Je compte sur vous. Vous avez dit que vous alliez revenir. Hein, oui. Bon, il y a 450 personnes à peu près qui ont entendu la même chose que moi. Vous me soutiendrez si jamais j'avais des problèmes pour vous faire revenir. Vraiment magnifique conférence, c'était extraordinaire. Je pense que vous n'avez pas eu le temps de boire un petit peu d'eau. Oui, je veux bien, oui. Voilà, je vous laisse faire. Voilà, cette conférence est enregistrée, je voulais aussi vous le dire. Donc elle sera sur le site de l'Espace des Sciences dans une ou deux semaines. Juste au passage, je vous dis celle de la semaine dernière où malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas pu entrer. Et sur le site depuis aujourd'hui ou hier, voilà. Merci à Jackie et à toute l'équipe de Jackie qui travaille avec nous à l'Espace des Sciences et puis à l'équipe de Rennes 2, donc du CREA. Bon, on a appris beaucoup, beaucoup de choses en vous écoutant. Quand on lit le livre, on en apprend encore plus parce qu'évidemment, vous n'avez pas pu absolument tout développer ici. Donc, rappelez-vous le titre, Le cerveau de cristal. Vous pourrez voir tout à l'heure, si vous souhaitez vous faire dédicacer quelques livres, un livre, la librairie Le Fayère est là-haut, au rez-de-chaussée. Donc, vous irez signer quelques livres si vous le voulez bien. Mais on se donne quand même un petit temps de questions, de réactions. Donc, faites-nous signe. On vous donne... Oula, ça démarre fort. On vous donne la parole tout de suite. Je vous viens à vous après. Allez-y. Oui, je voudrais savoir s'il y a une différence fondamentale entre le fonctionnement du cerveau humain et le fonctionnement du cerveau des animaux. Et deuxième question, est-ce qu'il y a un fondement biologique qui explique que certaines personnes soient surdouées? Il y a quelques jours, j'ai lu un article concernant le cerveau d'Einstein, et il paraîtrait qu'ils ont découvert récemment qu'il y aurait une concentration de cellules gliales et d'astrocytes dans les parties... qui traite les problèmes complexes dans le cerveau d'Einstein. Est-ce que vous confirmez Alors déjà, mon point de vue personnel, mais bon, certains pourraient ne pas être d'accord, c'est qu'il y a un continuum de l'animal à l'homme. On est en permanence, l'homme il a trouvé qu'il était au centre de l'univers, après il s'est aperçu qu'il n'était pas, à chaque fois on rétrograde. Donc je ne pense pas que le cerveau humain soit qualitativement différent. Il est quantitativement, à savoir qu'il est plus gros que le cerveau de souris, de singe, donc il y a plus de neurones. Voilà. Mais sur le point du principe de fonctionnement, le cône neural dont je parle, pour moi, il est commun avec les animaux, bon, peut-être pas les insectes, mais voilà. Donc je pense qu'il y a un continuum. Ensuite, pour le cerveau d'Einstein, je vous invite à lire mon livre, parce que j'en parle justement, pour montrer qu'il y a une histoire assez cocasse sur le cerveau d'Einstein. Et bon, en fait, il était plus petit que les autres, hein, plus petit que la normale. Le plus gros cerveau connu, c'est celui d'un grand criminel. Donc la taille du cerveau, c'est peut-être pas un bon critère. L'organisation, les astrocytes, etc., on ne sait pas trop aujourd'hui à quoi ils servent. Autrefois, quand j'étais étudiant en médecine, on disait que c'était des cellules de soutien. Maintenant, on s'aperçoit qu'ils ont peut-être un rôle dans le traitement de l'information. Donc je suis d'accord sur le principe. Pour Einstein, je crois qu'il ne faut pas trop fabuler. Le cerveau d'Einstein, il est découpé en petits morceaux, il a été transporté dans un Tupperware deux fois au niveau des États-Unis. Donc, bon, stop, quoi. On va rien trouver dans le cerveau d'Einstein. Voilà. Par contre, les surdoués, etc., ça existe. Souvent, malheureusement, c'est des gens qui ne sont pas adaptés. J'ai fait une émission de télé avec un syndrome Asperger assez connu. Daniel Mamet. Oui. Ahmed, mais il est venu ici. Il est venu. Oui. Voilà. Oui. Donc on a bien discuté, c'était très intéressant. Et il a expliqué qu'il avait mémorisé 10 000 décimales du chiffre pi.
Alors, bien sûr, ça fait 3,14. Donc, voilà, pendant une heure, il y a un qui a été tout récité. C'est impressionnant. Mais ce que j'ai expliqué, c'est que vous prenez un pianiste qui joue les variations Goldberg de Bach, et bien, il y a beaucoup plus que 10 000 notes de mémoriser. Et pourtant, on n'en fait pas tout un. Hein. Voilà, la raison, c'est que je ne veux pas démolir le... Surtout que pas ça, hein. Lui, il ne veut plus, de toute façon. Bien sûr, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont il y arrivait. Le pianiste qui joue, je suis amateur, mais bon, je les travaille quand même, les variations Goldberg. Quand vous les jouez, vous ne pensez pas aux notes une par une. Vous avez mémorisé le mouvement de vos doigts, l'harmonie, enfin, vous reconstituez. Voilà. Et lui expliquait, mais c'était magnifique. Il dit, le nombre pi, non, je vois un paysage, je vois une montagne, je vois des rivières, des couleurs, je vois beaucoup de couleurs. Là, c'est du jaune, là, c'est du vert. C'est pareil. Voilà. Donc, lui, il avait focalisé sur le nombre pi. Bon, voilà, mais c'est le cerveau travaille comme ça. Donc, le surdoué, c'est pas quelqu'un d'anormal. C'est quelqu'un qui va avoir une autre façon de se comporter. Et donc, souvent, malheureusement, comme c'est à l'envers de ce qui se passe dans la société, c'est des gens qui sont malheureux, qui sont pas bien insérés. Mais voilà. Lui, ça va très bien maintenant. Lui, ça va bien. C'est son vrai, son nom, parce que je l'ai écorché tout à l'heure, j'avais un trou de mémoire, Daniel Tammet. C'est ça. Voilà, oui. C'est ça. Oui. Mais c'est quelqu'un de très sympathique. Ah, il est formidable. Oui, oui. Formidable. Oui, oui, vraiment. Voilà, alors, monsieur d'abord, puis ensuite, on viendra à vous. Merci. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que le piano permet de lutter contre la schizophrénie avant qu'elle n'arrive? Et sinon, je suis en train de lire la monadologie de l'alchimiste. L'esprit n'est-il pas l'aboutissement de la vie avec l'autonomie aussi? Oula, écoutez, si le piano permet d'éviter la schizophrénie, tant mieux. Je peux pas vous, faut pas vous garantir ça. On dit beaucoup de choses souvent que en faisant ci ou en faisant ça, on peut éviter le d'Alzheimer, on peut éviter. Je pense pas. Je pense que malheureusement, ce serait trop simple. C'est plus compliqué que ça. Quant à l'origine de l'esprit, donc je disais tout à l'heure que en introduction, les Égyptiens considéraient que le cerveau, ça servait de radiateur. Bon, je pourrais d'ailleurs en parler parce que c'est pas tout à fait faux en fait. Mais ça sert en plus qu'à l'héros de radiateur. Il faut vraiment que vous reveniez. Hein. Mais le cerveau, c'est chaud. Ça nous dire. Et après, l'intelligence, l'émotion, c'était le cœur, c'était le foie, se faire de la bile. Hein. Voilà, donc ça a pris beaucoup de temps avant qu'on découvre que le cerveau. Et il y a même encore certaines personnes qui nient au cerveau. La pensée, c'est pas une hormone qui est sécrétée, c'est pas de la bile qui est sécrétée par le cerveau, c'est quelque chose de plus profond, etc. J'ai écouté une conférence apparemment qui était de très haut niveau, où le conférencier a expliqué qu'en fait notre pensée, elle était dans les trous noirs, voilà, et qu'on communiquait directement avec les trous noirs, et en fait qu'on n'avait rien dans le cerveau, on est simplement une antenne, oui. Bon. Vous me donnerez son nom, oui. Je l'invite pas. Bon. Voilà. Donc. Alors, monsieur, pardon. Oui, bonsoir, merci pour cette très belle conférence. J'ai deux questions. Est-ce que votre projet Neurospin est une manière différente ou similaire avec le projet qui va être élaboré en Suisse, qui s'appelle Human Brain Project, je crois, qui était alloué avec un gros financement par l'Europe, dont l'idée, c'est de construire un énorme cerveau, mais numérique cette fois, avec autant de neurones que de... Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Et ma deuxième question, est-ce que... vous avez parlé de votre intérêt pour la météorologie. Il y a une question aujourd'hui qui est difficile à expliquer sur la formation des nuages. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette difficulté à comprendre les mécanismes météorologiques avec la difficulté à comprendre les mécanismes du cerveau? Ah, je suis très content de cette question. Je vais commencer par la première. Donc, d'abord, Neurospin, ce n'est pas un projet. Hein. Ça existe, vous pouvez aller le visiter. Hein. Vous pouvez passer comme volontaire, d'ailleurs, comme dans les machines. Donc, ce n'est pas un projet. Neurospin, c'est une plateforme, c'est un centre de recherche où on a un système d'IRM. Ensuite, on est un des laboratoires, des 87 laboratoires affiliés au HBP, donc au Human Brain Project. C'est même pire que ça, c'est que mieux que ça, c'est que le Human Brain Project, et je vais vous expliquer ce que c'est, repose sur 6 piliers, et 3 des piliers sont en France, et dont 2 à Neurospin et à côté à Gif-sur-Yvette. Donc nous, on a le pilier avec Stanislas Dehaene qui pilote la partie qui est venue ici, je crois, la partie sciences cognitives. Il y a aussi tout ce qui est théorie, fonctionnement théorique du cerveau qui est piloté à Gif-sur-Yvette par Alain Destex, et puis les aspects éthiques qui sont pilotés par Jean-Pierre Changeux. Je ne sais pas s'il est venu lui aussi. Donc peut-être. Bon, bref. Bon. Donc le HBP
c'est voilà, il y a différentes façons d'en penser qu'est-ce que ça va donner. L'idée, c'est de Mark Wram, qui est à Lausanne, c'est avec un super ordinateur, bon, je vais caricaturer un peu, on va mettre dedans tout ce qu'on peut savoir, et en 10 ans, on va pouvoir reproduire le fonctionnement du cerveau humain, enfin en tout cas d'un petit bout de cerveau humain. Bon, j'avoue que personnellement, je suis pas forcément d'accord avec cette idée-là. Ça, c'est l'aspect un peu marketing du projet. Mais l'idée qui est super, c'est dedans, il y a 87 laboratoires de gens qui vont vraiment se donner la peine pour produire de nouvelles données, les partager. Et là, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Donc c'est ça le HBP. Parallèlement, il y a les États-Unis qui se sont réveillés. Je pense que c'est une réponse. Donc j'ai parlé du projet d'Obama. Il est plus centré, lui, sur les mécanismes du fonctionnement neuronal. Et c'est aussi tout à fait intéressant. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Alors pour la météo et le cerveau, oui, ça fait très longtemps que je suis arrivé à cette conclusion aussi. Vous savez sans doute que l'eau dans le ciel, elle est sous forme de vapeur d'eau et elle est à une température qui est bien en dessous du zéro et pourtant il n'y a pas de cristaux de glace, il n'y a rien du tout. Donc pour que les nuages se forment, il faut qu'il y ait des petits germes, des petites particules qui sont chargées d'ions, de charge négative ou positive, souvent c'est négatif, les molécules d'eau vont venir à ce moment-là se coller dessus, et c'est ça qui va faire apparaître des gouttelettes et donc des nuages. Ce que j'ai montré dans les neurones, à savoir dans cette organisation de l'eau lente, elle est directement copiée sur ce qui existe dans les nuages. Donc c'est pour ça que j'ai mis en point cette théorie-là, c'est que, en fait, pour moi c'est naturel. Mais pour d'autres, ça l'est pas du tout. Donc, c'est la présence de charge au niveau des cellules qui fait que les molécules d'eau, elles sont plus libres. Elles vont aussi se geler. Et quand je parlais des Égyptiens et du cerveau qui chauffe, quand le cerveau s'active, les neurones qui s'activent vont gonfler. Donc, l'eau va se mettre à ralentir, à s'attacher aux membranes, ce qui libère de la chaleur. Vous savez, quand on gèle l'eau d'un lac, ça produit de la chaleur. En Californie, quand ils voient qu'il va geler, pour protéger les oranges, ils aspergent le sol d'eau. L'eau va geler, ce qui va dégager de la chaleur et protéger les oranges. Ça paraît bizarre, hein, mais c'est comme ça qu'ils font. Voilà. Donc, en fait, quand les neurones s'activent, ils produisent de la chaleur. Et ça se mesure. Il y a un Japonais qui a mesuré. Alors, c'est tout petit, c'est des micro-degrés. Mais si vous prenez un million de neurones qui s'activent, ça commence vraiment à chauffer le cerveau. Donc, l'hypothèse que j'ai émise, c'est que l'augmentation de débit sanguin dont j'ai parlé... Pourquoi ? On ne sait toujours pas pourquoi il y en a une. Ce serait pour refroidir le cerveau. Donc c'est vraiment les pompiers. C'est que le débit sanguin, il est là pour rafraîchir le cerveau. Et c'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être précis dans le temps et dans l'espace. Voilà. Et bon, j'ai pas le temps. Dans mon livre, j'en parle. Oui. Alors, il y a une question à la mezzanine. Voilà. Oui, allez-y, on vous voit pas. Bonsoir, bonsoir et merci pour votre conférence excellente. J'aurais une question. Que pensez-vous de l'utilisation de l'IRM-TD et l'IRM fonctionnel ? J'ai eu l'occasion d'en passer avec le docteur Freddy pour détecter les séquelles possibles d'un traumatisme crânien et notamment d'un traumatisme crânien léger. L'interprétation des images, est-ce que c'est une technique fiable pour justement prouver aux experts qu'il y a bien des séquelles après certains traumatismes crâniens, séquelles qui ne sont pas visibles autrement qu'avec l'IRM-TD ou l'IRM fonctionnel ? Merci. Le docteur Freddy, où ? Le docteur Freddy, au centre Raymond Garcin, à Paris. Parce que je ne sais pas si c'est le même, mais c'était le nom de la personne qui était dans le jury de mon internat et qui m'a donné 19 3 quarts. Non, lui, au contraire, m'a donné une très bonne note. Ah, qui vous a donné la très bonne note. Voilà. Ça doit être donc c'est même. Peut-être lui, hein, je ne sais pas. Enfin, bref, c'est bien lui, oui. C'est bien lui. Bon. Et donc, vous voyez, c'est l'histoire. Hein. Donc, oui, effectivement, l'IRM anatomique permet de voir. Permet de voir les séquelles des traumatismes, effectivement. Par contre, l'IRM fonctionnel, moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. L'interprétation n'est pas du tout évidente. Et comme je vous ai dit, surtout quand vous avez des troubles au niveau du cerveau, ce couplage neurovasculaire, le fait qu'il y a l'augmentation de débit sanguin peut être perturbé. Il se peut très bien qu'il n'y ait pas d'augmentation de débit sanguin alors que le cerveau travaille normalement en dessous. Donc c'est pareil pour l'imagerie de diffusion. On peut voir que des fibres vont être déplacées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bien fonctionnelles. Voilà, donc l'interprétation, elle doit être extrêmement prudente. C'est tout ce que je pourrais dire. Une autre question, oui. Monsieur, on va venir vers vous avec le micro.
Merci pour votre conférence. Vous avez employé le mot code dans l'informatique, le code est binaire. Comment pouvez-vous nous, que pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez par code ? Le code génétique, il n'est pas binaire, hein, vous êtes d'accord ? Donc, non, vous ne savez peut-être pas, mais il repose sur un ensemble de quatre, enfin, ce ne sont pas des lettres, mais ça revient à ça. Donc, voilà, donc, le fait qu'il soit binaire ou pas binaire, ça, c'est pas ça qui définit un code. Un code, pour moi, c'est quelque chose qui... Donc, c'est un ensemble de petites fonctions qui sont communes à tout le monde, y compris aux animaux. C'est pour ça que je pense qu'il y a un continuum. Voilà, donc c'est la position dans l'espace des neurones et des astrocytes qui sont autour et produit une fonction particulière. Par exemple, je vous ai parlé de la fonction qui relie les points dans l'espace. Ça pourrait être une de ces fonctions. Donc le cerveau, ensuite, va relier ces blocs donc sont capables de créer des fonctions de base, c'est ça le code, pour produire l'information qui est beaucoup plus complexe. Par exemple, vous savez, ces choses-là, là, que vous avez sur les billets, là, ces trucs-là, hein, oui. Eh ben ça, je mets au défi, même en passant toute votre vie, vous n'arriverez jamais à lire un truc pareil, à le décoder. Parce que le cerveau humain n'est pas câblé pour pouvoir lire des choses comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne pourra jamais faire. Et pour moi, ça, c'est une preuve que... on ne peut pas tout apprendre. On peut apprendre ce qui correspond à des fonctions de base que l'on a, qui sont, elles, peut-être programmées de façon génétique. Voilà, c'est ça que j'appelle un code. Donc, c'est quelque chose qui est ubiquitaire, hein, c'est-à-dire que tout le monde a le même, et je vous dis même à travers les espèces animales. Voilà. Non, c'est pas binaire, hein, sûrement pas. Au contraire, je pense que, j'en sais rien, mais il y a peut-être une centaine de fonctions de base, ou peut-être 200, j'en sais, mais un nombre limité, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un nombre limité. Alors, une autre question là-haut, à la mezzanine. Bonsoir. Bonsoir. Le système nerveux ne reste pas seulement dans le cerveau, c'est parti partout dans le corps humain. Et aussi, peut-être il y a des endroits plus simples pour étudier le code nerveux, pas seulement dans le cerveau, peut-être ailleurs dans le corps, et aussi dans les organismes plus simples, peut-être. Ah oui, alors ça, c'est aussi une très, très bonne question. Enfin, les autres aussi étaient très bien, mais très, très bonne question. Effectivement, le cerveau, on commence pas par le plus simple. Alors, je ne peux pas tout montrer, mais sur notre aimant à 17 Tesla, la 340 000 fois champ terrestre, on étudie une petite bestiole qu'on appelle l'aplésie. Hein, c'est une sorte de ver de mer qui n'a que 20 000 neurones. Voilà. Mais qui, pourtant, souffre d'addiction, des choses comme ça. Oui, donc... Je ne vais pas dire schizophrénie, mais des addictions, par exemple de la boulimie, qui mange trop, etc. Donc, ce modèle, il a été utilisé par Kendall pour l'étude de la mémoire, et il a eu le prix Nobel avec ce modèle, donc c'est quelque chose de très sérieux. Et on peut étudier en IRM, on peut voir les neurones uniques, hein, parce qu'on peut, avec cet aimant extrêmement puissant, avoir une résolution dans l'espace, on peut voir ce qui se passe dans un neurone. Et c'est comme ça qu'on peut voir les neurones qui gonflent, voir le mouvement des molécules d'eau, et essayer de comprendre donc, ce qui se passe quand un neurone s'active. Ce qui sera, bien sûr, utile pour comprendre ce code neural. Donc oui, ça nous intéresse beaucoup. Alors on peut aussi étudier d'autres systèmes nerveux dans le corps humain, je suis d'accord avec vous. Mais c'est plus facile avec l'animal. Voilà. Oui. On a un aquarium, un neurospin. Stéphanie, ici, le micro. Merci. Voilà, attends. Et puis après... Oui, est-ce que lorsque l'on rêve, on active les mêmes régions du cerveau que lorsqu'on est éveillé ? Et plus une question peut-être bête, mais est-ce qu'on arrive à localiser l'inconscient à l'intérieur du cerveau ? Alors, donc oui, quand on n'a qu'un cerveau. Hein, donc de toute façon, quand on rêve ou quand on ne rêve pas, on l'utilise, qu'on soit conscient ou pas conscient, on utilise tout notre cerveau. Il faut voir que le cerveau, c'est un peu comme un hologramme ou un DVD. Il y a toute l'information qui est répartie partout. Donc ce n'est pas un endroit précis. Les endroits précis servent, comme je l'ai montré, à faire telle ou telle fonction. Donc quand vous allez rêver, selon que vous allez rêver, vous êtes en train de jouer au tennis, de courir, etc., les régions correspondantes vont s'activer de façon complètement aléatoire, dans une séquence qui est un peu bizarre, mais ce sont les mêmes régions que quand vous êtes réveillé. Un peu comme je vous ai dit, que d'imaginer ou de faire, ça active à peu près les mêmes régions. Donc le cerveau, c'est un simulateur, il faut voir ça. Le cerveau, il sert en permanence à calculer qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Hein, vous êtes dans votre salle de bain, vous allez glisser sur la savonnette, et puis vous avez un choix. Soit vous vous accrochez sur le rideau de la douche, soit sur un tuyau. Vous n'avez pas le temps de faire... il faut aller vite. Donc le cerveau, il a analysé tout ça. Il ne va pas vous déranger. Il va faire ça directement.
Le joueur de tennis, il voit la balle, il va mettre la main avec la raquette pour que la balle arrive sur la raquette. Il ne va pas non plus réfléchir. Donc tout ça, c'est automatique. Donc ce que l'on voit en permanence, ce n'est jamais la réalité. Le cerveau vous donne une idée du monde que vous n'avez pas. Vous habitez dans une maison ou un appartement ? Vous ? Un appartement. Bon, dommage. Quel étage ? Premier étage. Ça vous arrive de prendre l'escalier ? Vous le voyez, l'escalier ? Combien y a-t-il de marches ? Et pourtant, vous avez pris l'escalier combien de fois dans votre vie ? Vous voyez ? Vous le voyez, l'escalier, là ? Vous le voyez ? Vous pouvez pas savoir combien il y a de marches. Donc votre cerveau vous trompe un peu. Vous voyez, vous croyez à un certain nombre de choses, mais en fait, vous n'avez pas l'information. C'est pour ça que quand il y a des accidents, on demande à 10 témoins, parce qu'il n'y en a aucun qui a vu la même chose. On essaye de faire la moyenne, plus ou moins. Donc le cerveau a en permanence calcul en fonction de ce dont il a besoin. Et j'ai un collègue donc, qui a calculé que l'image que l'on a du monde, c'est une image qui est calculée un dixième de seconde avant de ce qui va arriver. Voilà. Donc nous serons au courant de la fin du monde avant qu'elle n'arrive. On aura un dixième de seconde pour se préparer. Voilà. Ça console, ça console. Incroyable. Mais moi, ça m'a fasciné. C'est vrai, tout ce chapitre et ce que vous nous avez dit aussi sur le réel et le mental. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a un moment où vous parlez de Diderot et de sa lettre sur les aveugles à l'intention de ceux qui voient. C'est assez extraordinaire. Donc, c'était en 1749. Vous racontez ça. Et d'ailleurs, ça lui a coûté la prison à lui. Ouais, c'est assez. Assez fou. Eh oui, donc c'est bon, quand je vous ai dit qu'il faut 10 ans entre une invention et le fois qu'elle soit utilisée, c'est pas mal parce qu'à l'époque, si l'idée était un peu trop révolutionnaire, vous risquiez votre vie. Hein. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir, merci et bravo pour cette conférence. Je voulais savoir à partir de quand vous avez des projections, des impératifs de le projet Neurospin sera terminé quand le grand aimant sera terminé, les projets. Alors, Neurospin, c'était effectivement, on peut dire que le couronnement, c'est la livraison de cet aimant. Maintenant, il faut qu'il fonctionne. Il ne va pas fonctionner le jour de la livraison. Hein. Ça va prendre encore des mois avant qu'il soit fonctionnel. Mais notre projet, ce n'est pas d'avoir un aimant. Notre projet, c'est de comprendre le cerveau. Le code neural, par exemple, c'est un des projets. Stanislas Dehaene, qui a un neurospin, il a d'autres projets, sur la conscience en particulier. Donc des projets, on en a plein. Et l'intérêt aussi de neurospin, j'essaye, mais ce n'est pas facile. Je voudrais en faire une plateforme ouverte à tout le monde. Donc s'il y a une équipe qui veut utiliser ces aimants pour faire ses propres recherches, on cherche à avoir ce genre de choses. Malheureusement, ce n'est pas facile parce qu'il faut trouver des financements, etc. etc. Mais le but, ce n'est pas de garder les aimants pour nous. C'est de, un peu comme au CERN, de les offrir à la communauté scientifique pour que les gens puissent découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc Neurospin, c'est une infrastructure, c'est un centre de recherche et une infrastructure pour accommoder des projets, mais ça n'a pas de fin. C'est aussi longtemps que Neurospin existera, on aura des projets. Alors une autre question tout à fait oui, dans le même fond. Oui, deux questions. Premièrement, vous nous avez montré l'importance du rôle de l'eau dans le cerveau, puisque c'est 9 molécules sur 10, et l'importance de l'alimentation de ces molécules. Bon, donc, si on perd effectivement les molécules d'eau, manifestement, on est pas mal parti. Or, quand on vieillit, on a plutôt tendance à perdre de l'eau. Est-ce qu'il ne faut donc pas conseiller fortement aux personnes âgées de boire, je dis de l'eau, pas de reste, hein, de boire de l'eau pour au moins garder un minimum, disons, de cellules d'eau que pourront être aimantées. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez dit, le cerveau est un calculateur permanent. Est-ce que pour justement développer chez les jeunes, et vous avez montré l'importance du rôle quand on est jeune, on stimule les fonctions du cerveau, est-ce que le jeu des échecs, dont on dit qu'il est le roi des jeux et le jeu des rois, est-ce que ce n'est pas, comme c'est un jeu de perpétuel calculateur, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait recommander dans l'enseignement des jeunes ? Alors,
Pour la deuxième question, oui, c'est sûr que l'échec, mais il n'y a pas que l'échec, il y a aussi d'autres jeux, le jeu de Go, et c'est aussi très compliqué. Hein. Donc à faire des jeux de stratégie où vous pouvez non seulement simuler un certain nombre de mouvements de pièces, mais vous devez aussi simuler la réponse de l'adversaire. Voilà, donc c'est effectivement, moi, je pense que c'est quelque chose de très bien. Je ne permettrai pas de l'imposer à l'école, hein, c'est pas mon job, mais effectivement, je recommande. Je pense que c'est beaucoup mieux que certains jeux vidéo qu'on trouve sur certains ordinateurs. Voilà. Ouais, on fera peut-être venir Stanislas jouer, de Han ouais, là-dessus. On peut jouer aux échecs sur l'ordinateur aussi. Alors pour l'eau, je ne donnerai pas le conseil aux personnes âgées de boire plus d'eau, parce que ça pourrait être dangereux. Vous savez, le problème, il ne faut pas déshydrater, ça c'est sûr, mais il y a aussi l'équilibre à respecter en termes de sodium, etc. Quand il y a eu la grande canicule, boire de l'eau, ce n'était pas la solution, c'était aussi de boire de l'eau salée. Hein, donc c'est un peu plus subtil que ça. Mais l'eau, si on ne se déshydrate pas, ben, sont importantes, il n'y a pas de problème. C'est les personnes âgées, mais aussi les tout-petits, les nourrissons, qui se déshydratent très facilement parce que, simplement, le rapport entre la surface corporelle et le poids, il est pas le même que chez l'adulte. Ils ont une grande surface corporelle, donc l'eau s'en va rapidement, et si on perd trop d'eau, on tombe dans le coma. Hein, donc c'est bien que l'eau a un rôle important. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais je crois que c'est dans le livre. Il y a des théories qui datent maintenant sur l'anesthésie. On ne sait toujours pas comment marche exactement l'anesthésie, qui est liée aux molécules d'eau, à la structure des molécules d'eau au niveau du cerveau. Bon, mais l'eau ne part pas comme ça. Hein. Vous avez parlé des sushis. L'eau, elle reste bien coincée. Elle ne part pas. Hein. Si vous prenez un gel, c'est 99% d'eau, et pourtant, ça ne coule pas. Pourquoi ? Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. Hein. On ne sait pas pourquoi. On parle du boson de Higgs et tout ça, mais en physique, il y a des tas de choses. L'eau qui est dans ce verre-là, on ne sait pas tout. Hein. Pourquoi, par exemple, l'eau est liquide à cette température, le CO2 a la même taille moléculaire, et puis il n'est pas liquide. Voilà. Donc la molécule d'eau reste encore très, très mystérieuse. Et c'est pour ça, on sait aujourd'hui que ce n'est pas la molécule d'eau qu'il faut étudier, mais c'est la sociologie, les sciences humaines de la molécule d'eau, hein, comment les molécules d'eau sont liées entre elles, donc dans les nuages, dans un verre d'eau, dans les neurones. Donc c'est vraiment fascinant. Le problème, c'est que les recherches sur l'eau ont pris un grand coup dans la figure, si j'ose dire, à cause de l'histoire de la mémoire de l'eau. Et donc ça a créé des doutes dans la communauté scientifique. Et aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur l'eau, ils se cachent parce qu'ils sont tout accusés, oh là là, c'est la mémoire de l'eau. Or, des travaux récents montrent que la mémoire de l'eau, c'est peut-être pas complètement faux. Il y a peut-être vraiment quelque chose. Voilà. À suivre. Et puis, bonne nouvelle, on en a parlé tout à l'heure pendant le dîner, on peut boire du vin. C'est bon pour le cerveau. Oui. Enfin, voilà. On dit que c'est les gens de Bordeaux qui ont inventé ça. Il faut boire un tiers de litre de vin rouge, ça serait mieux, ce serait bien pour l'infarctus du myocarde. Oui. Voilà. Et puis il y a un autre article qui est publié où ils ont expliqué qu'il fallait boire aussi un tiers de vin pour protéger peut-être contre le Parkinson, etc. Donc la question que je leur ai posée, c'est est-ce que c'est le même tiers ou est-ce que c'est deux tiers différents? Parce que... On n'a pas la réponse. Encore une question? Oui, on vous donne le micro. Et puis on en restera peut-être là pour ce soir parce que si vous voulez un petit peu aller feuilleter le livre et rencontrer Monsieur Le Bihan là-haut. Oui, bonjour, je n'ai pas tout compris, mais à quelle échéance on pourra lire dans la pensée des gens? J'espère jamais. Bah oui, mais j'espère jamais. On en prend le chemin là. Donc quand on y arrivera, il se passera quoi? C'était un peu des questions que j'avais pour finir aussi. C'est est-ce qu'on peut manipuler? Enfin, plus on va savoir sur le fonctionnement du cerveau, plus on va peut-être pouvoir le manipuler, non? Bon, alors, manipuler, c'est encore autre chose. Mais déjà, lire, là, tout ce que j'ai montré, c'est des volontaires tout à fait coopérants. Vous êtes dans la machine et vous commencez à tourner la tête comme ça, on ne pourra rien voir de ce qui se passe dans votre tête. Voilà. Donc, on ne peut pas mettre un criminel en mettant dans les mains, on dit, voilà, on va savoir à quoi il pense. On ne peut pas faire ça. Alors, malheureusement, il y a certains qui pensent qu'on peut le faire. Vous allez aux États-Unis, vous allez sur Internet, c'est pas la peine d'y aller, et vous trouvez deux sites qui vendent des systèmes d'IRM, hein, 3 Tesla, ça coûte 2 millions de dollars, comme détecteurs de mensonges. Voilà, vous pouvez acheter ça dans le commerce. Aux États-Unis, il y a des grandes boîtes qui, pour leur recrutement, font passer leur personnel en IRM. Voilà.
Voilà. Donc, mais moi, je pense que c'est assez scandaleux, parce que ces images-là, comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, que leur interprétation est extrêmement complexe. On peut voir des images en couleur, du rouge, du bleu, qui apparaissent partout, mais après, pour savoir quoi en faire, c'est un peu compliqué. Je vous donne un exemple. Il a été montré en 1995 que si vous prenez un enfant, alors je ne sais plus quel pays, mettons un Français, ou un Américain plutôt, un Américain qui a étudié le français quand il était bébé, parce qu'il avait un parent américain, un parent français, eh bien, quand on fait de l'imagerie fonctionnelle chez lui, on s'aperçoit que la région de Broca, elle est unique, que ce soit qu'il parle en français ou qu'il pense en anglais. Vous prenez un enfant, l'époque, ça avait été fait avec des Américains, qui apprennent le français, à l'époque, ils apprenaient encore le français, à l'école, à 12 ans, comme nous, on apprend l'anglais, et ce qu'on montre chez eux, c'est qu'ils ont deux régions de Broca, une pour l'anglais et une pour le français. Elles sont l'une côte à côte. Voilà. Bon. Interprétation évidente. Eh bien, si j'interprète, si j'embauche un interprète, je passe en IRM, et s'il a deux régions, c'est que ce n'est pas un bon. Voilà. Ça a été publié comme ça, forcément, c'est logique, puisqu'on dit, voilà, hein, quand on est vraiment bilingue, il y a une région de Broca, quand on a appris la deuxième langue plus tard, on a deux régions. C'est faux, on ne peut pas dire ça. Parce qu'il y a des gens qui ont appris l'anglais ou le français à l'école et qui sont parfaitement bilingues. Voilà. Donc, ce que ça montre, c'est que le mécanisme d'apprentissage n'a pas été le même entre les deux catégories. Hein ? C'est-à-dire, donc, pas au même âge, donc pas même les circuits cérébraux. Ça n'a pas été appris de la même manière. C'est ça que ça montre. Donc, ce n'est pas les mêmes régions cérébrales appliquées. Ça ne montre absolument pas la capacité à parler la langue étrangère. Voilà. Donc, mais c'est subtil. Vous voyez, c'est... Donc, l'interpréter ces images pour des fins de justice, ça a été fait en Inde. Il y a eu une femme qui a été condamnée à mort sur la base d'IRM. Maintenant, c'est interdit. Mais ça a été fait, quand même. Voilà. Par contre, ça a aussi des côtés positifs. Par exemple, dans l'État du Massachusetts, la peine de mort pour les adolescents a été supprimée parce que l'IRM fonctionnel montre que le cerveau des adolescents est vraiment immature et qu'ils ne sont pas forcément directement toujours responsables de leurs actes. Voilà. Alors c'est du droit, hein. Moi je ne suis pas juriste, mais quand même, on est arrivé à faire que, enfin, pour moi c'est une bonne chose, la prise de la peine de mort a été supprimée sur la base de l'IRM fonctionnel. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Il y a vraiment un enjeu société, j'en parle un peu dans le livre, pas beaucoup, mais on en est à cela. Il y a un enjeu société, il y a de l'éthique derrière, il faut y réfléchir. Je suis d'accord avec vous. Voilà, il y avait encore une question ? Non, ça va. On va s'arrêter là. Donc, pour ce soir, on vous remercie très chaleureusement. Vraiment, belle, belle conférence. Passionnant. Merci et revenez nous voir. Je vous amène au premier étage. Merci à toute l'équipe, à Jérôme et à Jean-Paul qui étaient en régie, à Gwen et à Vincent qui étaient derrière la vitre là pour et puis à Jackie qui travaille avec nous à l'espace des sciences et puis bien sûr à Daniel, Stéphanie et Julie qui vous ont passé les micros. Julie qui travaille avec moi à la programmation et la préparation de ces conférences. Bonsoir à tous.